Et bien le bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur Père la Galère Gaming. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On est sur la 13e salve sur le Paper Mario Origami King. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en forme. Attendez, je prends la manette, ouais, bien sûr. Bienvenue à tous, bonjour à tous les amis. On va se mettre comme ceci. Je vais me mettre le chat sur le côté comme d'habitude. Et salut Winry, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tout va bien pour toi? On va se mettre en plein écran aussi. Et puis on va partir tranquillement pour à peu près 2 heures de live. 1h30 à 2 heures tranquille sur ce Mario Paper Origami King. On est bien généralement dessus. Il est assez sympathique. Il me fait rager quelquefois quand même. Hein. Je tiens à vous le dire. Je me mets le retour son parce que sinon c'est pas pareil. Je regarde si tout va bien. Normalement, on a l'air pas mal opérationnel. J'ai des nouvelles de mon super ordinateur. Il vient d'être réparé. La carte graphique a été changée. Et normalement, eh bien, écoute, ils vont peut-être me le renvoyer d'ici peu. Allez, on re-sauvegarde parce qu'on sait jamais dans la vie. Là, on a un côté glace. Alors, on est au niveau du serpentin violet. Eh bien écoute, bizarrement, ça va comme toi. C'est-à-dire un tout petit peu fatigué. Je suis sur la fin de mes congés, mais je ne suis pas spécialement reposé non plus. Et du coup, bah écoute, on fait comme on peut, mais on va faire ça tranquille. Tu vas te mettre tranquille dans ton canapé ou devant ton ordi, et puis je vais m'occuper de tout. Enfin, je vais essayer en tout cas de vous faire ça bien. Ah ouais, en espérant que cette fois, au bout de la... C'est quand même le deuxième... Enfin, ouais, c'était le deuxième, donc là, il y a... En espérant que cette fois, j'ai pas autre chose, quoi, et qu'il arrive qu'il soit entier, pas cassé, et que je puisse faire quelque chose de propre. Parce que je sais pas si tu as zioté un peu et si tu as regardé un petit peu, mais sur les la semaine dernière, par exemple, hein, puisque je l'ai envoyé à milieu de semaine dernière, si tu regardes les Ghost of Tsushima, et puis si tu regardes les premiers let's play sur... Sur Mario Paper, tu verras la différence de qualité d'image déjà, et bon, c'est compliqué quoi. Mais on va croiser les doigts, ouais, effectivement, j'aimerais bien pouvoir vous proposer quelque chose de bien. Et j'avais prévu tellement de choses en fait pour la rentrée, et puis pour ses vacances aussi, mais du coup ça a été loupé. Mais ouais, je vous avais prévu tellement de choses pour la rentrée. C'est un nouveau concept qui va arriver sur la chaîne bientôt normalement. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer au niveau de la rentrée de mon fils bien sûr, et puis de la nôtre aussi. Allez, on va continuer. Alors, quel est l'esprit élémentaire dont tu veux développer le pouvoir? Esprit de la terre, esprit de l'eau, esprit du feu. L'esprit de glace, on l'a pas. On va quand même pas faire fondre ça. Attends, on va quitter. On va regarder un petit peu tout ça parce que, ouais, on se précipite un peu. Là, peut-être, je dirais esprit de l'eau, peut-être. De la terre, je pense de la terre de l'autre côté. Puisque on peut faire redescendre tout ça, donc on va peut-être commencer par celui-ci finalement, puisque on sait assurément à peu près quoi, je pense, hein, par quoi commencer. Alors, quel esprit élémentaire? On va prendre l'esprit de la terre, hein, je pense. La rentrée, c'est flou chez toi aussi? Bah ouais, plutôt. Ouais. Bah, bon, enfin, mon fils, il rentre à la maternelle, donc on sait, enfin, on sait pas. Donc on sait à peu près. On sait quel jour il rentre, mais on sait pas l'heure, on sait pas encore grand chose. Et est-ce qu'ils vont vraiment faire une rentrée, ça c'est autre chose. Coucou mon KO, comment tu vas? Bienvenue à toi mon chouchou. Bienvenue, installez-vous tranquillement et on est reparti. Voilà, donc, allez, la première cabane c'est bon. On va commencer par celle-là, hein. Je pense que c'est le mieux en tout cas. Allez, on va aller voir là-dedans. Et donc on est sur l'île de Caro. Elle n'est pas à Caro l'île, hein. mais presque. Alors qu'est-ce qu'on a? Fais voir. Examiner. Bienvenue à l'épreuve de force. Réussis les 3 défis qui t'y attendent pour remporter un orbe. Ok, bon, bah écoutez, on va y aller, hein. En avant. Alors j'avoue, la rentrée, c'est flou. Eh ouais, bah ouais, bien sûr. Alors, commencez l'épreuve de force, bien sûr. Ici, rentrer en petite section et CE1
pour les miennes. Et pareil, pas d'heure, pas de date officielle. D'accord, ouais, ok. Mais ouais, bah pareil, ouais. Donc on sait pas sur quel pied danser, en fait. C'est un peu compliqué pour les parents. Alors, il n'y a rien là-dedans. Je crois qu'ils ont oublié d'installer le défi. Non, je pense pas, non. Alors, bienvenue à l'épreuve de force. Ah bah zut. Alors, pour ce premier défi, tu devras détruire tous les blocs dans un temps imparti. Ok. Ouais, non, non, mais ouais, puis ça a été compliqué du début jusqu'à la fin, en fait. C'était compliqué tout le coronavirus et tout pendant et tout après. Enfin, ça a été vraiment du n'importe quoi. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu gérer au fur et à mesure et au jour le jour. Moi, Loulou a été à l'école tout le temps puisque ma femme travaille en pharmacie. Et du coup, moi, je travaillais aussi. Donc non, ça a été un peu compliqué, ouais, j'avoue. Plus de piles, ouais, ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive, c'est pas grave, tu vas voir. On va trouver de quoi faire. Ok. Ah, loupé. Voilà. Oui, oui, oui. On y est. On est parti un peu trop tard, je pense. Allez, 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 allez. On est parti un peu trop tard, non? Non, c'est bon. Mais on n'est pas parti. Ouais, on n'est pas parti super tôt comme on parlait un petit peu. Alors, bravo, tu t'es qualifié pour de deux nuits. Et le, pardon, défi suivant. Va. Ok, défi suivant. Parfait. Toujours plus, c'est exactement ça. Je m'appelle Monsieur Plus. Non, j'aime pas les... Ouais. Vous savez, hein, j'aime pas les jeux quand il en faut toujours plus. Alors, tu as atteint la seconde étape de l'épreuve de force. Elle consiste à manier le marteau. Ok. Appuie sur B pour armer le marteau et puis sur A au bon moment pour obtenir une excellente attaque. D'accord. Ah oui, non, d'accord. Ah, je suis pas bon. Zut. Ouais. Oh là là, on va la paumer celle-là, je vous le dis, moi. D'accord, fais voir. Ouais. On va se faire avoir, je pense, si ça continue. Ah ouais, non, punaise. Ah, je suis pas bon en plus. Ah, zut. Allez, on va se la refaire. On peut juste pas taper, je crois pas. Hein. Non. J'ai essayé justement, mais non. Pas du tout. Bon, bah, il faut se le refaire. on s'est fait avoir. C'est pas grave, comme ça on sait du moins. On sait ce qu'il y a à faire. Allez, bim. Or, descend, c'est pas gagné là. C'est pas gagné. Vu la journée que j'ai passée, c'est vraiment pas gagné. Allez, là on va la sauter, ça va, c'est pas un problème. Allez, première épreuve de force, on a déjà fait. Du coup, on sait. Pardon. Mercredi. Voilà. Ok. Oui, on arrive Jean-Michel. Voilà. C'est bon, mais c'est juste quand même. Non, pas le monde à l'envers, KO. Déconne pas. Bon, bah le monde à l'envers, alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Ah non, mais là, ça va être tellement dur. Non, mais le monde à l'envers. Tiens, attends, je te le fais passer un petit peu, ton monde à l'envers, parce que là, ça va pas du tout. C'est par là. Ah zut, j'y arrive pas. C'est sale, hein. C'est pas très juste. Hein. C'est pas très legit ce que tu fais, vraiment. Ok. Allez. Je pense que si on se met là... Ouais, non.
On n'est pas bon, on n'est pas bon. Ah si. Ah si, ouais. Mais t'as raison. Ah non. Ouais, par contre, non. Mais c'est pas grave, on peut faire comme ça. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Waouh, ouais. Punaise, celle-là, ça va nous faire galérer, je pense. Oui, j'avais dit que j'avais aimé, oui. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, j'avoue. J'avoue, j'avoue. J'avoue. Mais bon, quand même. Quand même, quand même. Allez, on se la retente. Bah oui, on va être obligé. Hein. Ah, mais c'est 3000 pièces, t'es sérieux, là? Oh là là. Ça nous coûte des sous maintenant. Ah, c'est pas bon, moi je vous le dis. C'est pas bon, les gars. C'est un peu juste. Hein. Est-ce que vous croyez qu'on peut rajouter du temps? Non, on peut pas. Ouais, on peut pas rajouter de temps par contre. Mais si, mais complètement, mais complètement, c'est complètement ça. Oui, parce que sinon tu viens pas là en fait. Mais c'est ça, c'est exactement ça en fait. T'as compris le principe, t'as tout pigé. Bon, le premier c'est bon, mais c'est le deuxième, ouais, ça nous pose un peu de problème. Alors, il faut trouver quelque chose pour aller un peu plus vite. Je sais pas comment faire. Les attaques excellentes, par contre, ça va peut-être. Voilà. T'as mémé. Oh non. Non. Ah. Ah. Un secours. Ah zut, on a perdu tellement de temps. Vite, 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 vite. Ouais, il faut se placer au milieu en fait. Ouais. GG les gars. Alors bravo, tu es qualifié pour le défi suivant. J'espère que je vous ai pas fait mal aux oreilles, pardon. Béa ba 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 en boucle. Ah là là, Béa Béa Béa. Ouais, mais tu vois, c'était juste quand même Béa Béa. Heureusement que j'ai fait un excellent derrière, parce que sinon tu le passes pas en fait. Et du coup. Alors ceci est le dernier défi de l'épreuve de force. Enfonce le clou géant dans le sol, dans le temps imparti. D'accord. Ok. Ok, bon. Monte au sommet, le clou, et tu recevras tes instructions. D'accord. Alors. Alors, dans ce défi, l'utilisation des bottes et du marteau t'est autorisée. D'accord. Appuie sur B pour amarrer le marteau, puis sur A au bon moment pour obtenir une excellente attaque. Armée, pardon. Ouais, appuie sur A pour sauter et appuie rapidement sur l'atterrissage pour le combo de 4 sauts maximum. D'accord, ok. Allez, on va essayer. 1, 2, 3, 15. Allez hop, c'est bon, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Alors, tu as vaincu l'épreuve de force, l'heure est à la célébration. Ok, cool. Avec des maracas.
On dirait les maracas de Zelda, tu sais, Noya. Allez. Assez célébré, passe dans la pièce suivante pour obtenir ton orbe. Ok, cool. Allez. Une orbe magique. Allez, on va récupérer ça. Allez, l'orbe de force. Donc il nous faut les trois, bien sûr. Waouh, je savais que tu étais le plus fort, Mario. Bah moi pas. Hein. On s'est juste repris à 15 fois, mais c'est pas grave. Le jour où t'as plus de pièces, tu peux plus le faire, tu sais. Plutôt, ouais. Je le trouve pas simple, en fait. Pas si simple que ça. C'est-à-dire que... bon, c'est ma première fois sur cette licence-là, mais... je suis un peu plus costaud sur la licence 4, par exemple. Non, je plaisante. Mais n'importe quoi. Non, sérieux. Ouais, je le trouve pas si simple. Ouais. Il est vraiment pas simple du tout, même. Mais vraiment pas, quoi. Et du coup, ouais, c'est pas aisé. C'est pas... Tiens, on va faire celle-ci. C'est pas aisé tout le temps, ouais. Allez. Bah, celui de l'eau, hein. Est-ce qu'on va... On va essayer celui de l'eau, mais... Normalement, c'est bon. Mais ouais, par moment, il est difficile. Les boss, ils sont un peu compliqués, tu vois. Il faut arriver à choper leur... leur truc, mais même, même dans ces cas-là, des fois, c'est... Ouais, il est pas si simple, en fait. Il a l'air enfantin, comme ça, mais pas du tout. Ouais, c'est super chaud, j'ai essayé de d'y jouer avec mon fils, mais ça n'a pas... Qu'est-ce que... Non, on peut pas. Mais du coup... Ben j'en sais rien en fait. On a fait la split de l'eau, on a fait... J'en sais rien, je sais pas, mince, zut alors. Quel esprit alimentaire tu veux débloquer le pouvoir? On va réessayer celui de l'eau parce que j'ai pas compris. Et ouais, non, non, il est pas si simple que ça en fait. Et avec mon fils de 6 ans, j'ai essayé, mais il faut que tu sois à côté quoi, sinon il n'y arrive pas. Pour placer, notamment pour placer les trucs, après pour sauter dessus, c'est pas grave, mais ouais, mais moi déjà à 40 ans, j'y arrive pas des fois pour placer les bonhommes, alors lui à 6 ans, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais Nintendo, du coup, il fait pas que des jeux pour les enfants. Il y en a, ils sont bien plus compliqués que ce qui n'y paraît, en fait. D'accord, il y a de l'eau. Je suis d'accord, il y a de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on en fait, du coup? Est-ce que je retire l'eau et on y met de la terre? Parce que là, du coup, l'esprit du feu me sert à rien. Ça, c'était l'état d'origine. Du coup, je suis pas sûr. On est d'accord qu'on peut pas y aller. On n'a pas de barque, on n'a rien. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Tu vois, là, par exemple, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut que je fasse. On va utiliser l'esprit de l'eau et après, je vais essayer d'utiliser l'esprit de la terre pour remettre la terre à niveau pour pouvoir passer. On va essayer comme ça. On va voir si ça peut le faire. Et salut, mon... Et bienvenue, les amis. Bienvenue, Canute. Et bienvenue, mon Cupix. Mon Creep. Peur le dauphin, pardon, ce n'est plus du Cupix. Salut, comment va? Mais que faites-vous ici? Écoute, on essaie de jouer en fait. T'es en forme, Christopher? Et mon Canute, est-ce que t'es en forme?
Alors est-ce que du coup on peut essayer en faisant comme ça? On va essayer les splits de la terre et puis on va voir si ça nous remonte le niveau. Et je dis pas que j'ai la solution, mais les splits du feu, à moins de faire fondre la glace, je vois pas le truc en fait. Ah là ça gazouille hein. Ça gazouille aussi. Bienvenue à tous en tout cas. Alors, est-ce qu'elle y arrive ou pas? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Du coup, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça nous l'a fait se lever. Mince alors, zut! Ben on va le faire redescendre en fait. Parce que... Fais voir un peu. Ben oui mais non. Je sais pas du tout là, je l'ai pas. Alors on va le refaire descendre quand même parce que sinon ça sert à rien. Je l'ai vu galérer alors je suis resté. Mais c'est ça, mais c'est tellement ça. Mais c'est le principe les gars. Mais je, par contre je galère pas tout le temps. Ça dépend des jeux. Mais t'as vu de la lumière, tu m'as vu galérer. Naïvement t'es resté et voilà, t'es pris au piège maintenant parce que tu vas te dire mais il va s'en sortir ou pas? Mais il va y arriver. Du coup, est-ce qu'on essaye ça? On essaie ça, pardon. Non, spoiler, non, il va pas y arriver. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a une logique. Il est bien à lui le jeu, mais je l'ai pas en fait. Il y a des fois j'y suis pas. Alors vas-y, fais-nous cramer. J'ai pas le. Je te jure que je sais pas, j'y comprends rien. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh purée. L'esprit de la terre, c'est bon. Et ça, c'est de l'eau. Mais tu vois, c'est. Alors, est-ce qu'on peut pas sauter carrément? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Non, pas du tout. Tu te calmes. Est-ce qu'on a autre chose? Parce que peut-être on a... Peut-être a-t-on autre chose? Et je crois pas. Alors, attends. J'ai dû louper quelque chose. C'est pas possible. On va aller regarder de l'autre côté parce que j'avais vu des trucs... Donc celui-là avec la terre, c'était facile, hein, on va dire. Ok, regarde ces montagnes, on dirait une sorte d'animal, non? Bien sûr. Un écureuil ou un chien, un chat, un faon. Non, c'est pas ça. Mais oui, un ours. Te moque pas, c'est pas facile de reconnaître les animaux quand on les connaît qu'en origami. D'accord. Il a l'air de faire froid là-bas. Attends, peut-être un ours polaire. On va voir, dit. On va en voir un, dit. Est-ce que vous croyez que c'est par là l'histoire? Ça me paraît bizarre que ce soit par là en fait. Mais peut-être pas. Alors attends. Il doit nous falloir ça. Parce que je pense que on doit peut-être trouver. Peut-être, hein, je vais dire une bêtise, mais l'esprit de glace. Et donc on y mettrait de l'eau juste autour du. Juste autour de. Ça se tient. On pourrait y mettre juste de l'eau, en fait, autour. Peut-être. Hein. Dis Mario, tu penses à la même chose que moi, donc on y mettrait de l'eau et puis après si on a l'esprit de la glace par exemple, on pourrait geler pour pouvoir passer. Ça me paraît pas mal.
C'est un oiseau? Non, c'est un avion. Ah, il fait un froid épouvantable ici. Pourquoi est-ce que la température a chuté d'un coup comme ça? Oh, attends voir. Je crois que je sais ce que ce froid signifie. L'esprit de la glace ne doit pas être loin. Ah, mais vous voyez, je l'ai. C'est un malentendu. J'ai pas fait exprès, les gars. C'est un malentendu, je l'ai. Entrons pour découvrir. Allons briser la glace. Je brûle d'impatience de faire sa connaissance. Vous voyez que j'y arrive. Oh, ma blague te laisse de glace, on dirait. À moins, les statues ont l'air d'apprécier. Au moins, pardon. Ouais, il y a des trucs là, il y a des pièces dans l'eau, donc là à mon avis on redescendra par là tout à l'heure, certainement avec un radeau, celui de la méduse, bien sûr. Fais voir. Ah, ah. Mais, attends, fais voir, deux secondes. Voilà, c'était ça. Ok, qu'est-ce qu'on a pris? Des petites bottes. Allez, combat par vague, on est parti. Alors, ouais, c'est bon. On l'a, on va faire comme ça, on va faire ça. Ah, il n'y a que deux déplacements. Ah, bah alors, ah bah si, regarde, on peut faire ça. Comme ça, et on peut tourner comme ça, et faire comme ça. Je pense que là, c'est bon. Parfait. Allez, on va prendre un bon marteau. Qu'est-ce qu'on a? Le marteau chatoyant. Tiens, on peut prendre celui-ci qui est presque usé. Allez, marteau chatoyant en service, mais on en a d'autres sur nous, hein, vous inquiétez pas. Ouais, on va prendre celui-ci. Hop là. Alors, du coup, fais voir. Parce que si je fais ça, ça va me les déplacer. Et j'ai 3, 3, 3, 3, 3, 3. Donc, regarde, on va faire un truc comme ça. On va se faire aider des Todd. Ça mange pas de pain. Ils vont me faire un mouvement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, là, ouais, j'ai vu. Enfin, je crois. Voilà. Pardon, autant pour moi. Comme ça, là, on se met comme ça. On revient exactement. Et voilà. Allez, ça va. Ça mange des champignons, je crois. fais voir, on va prendre les bottes chatoyantes sur cela, bien sûr, de fer, pour éviter qu'ils nous piquent les pieds. Bottes de fer chatoyantes hors service, c'est pas grave, on en prendra d'autres. Tiens, on peut prendre celle-ci déjà. Quoique, fais voir, on va passer par l'inventaire. Alors, où est-ce qu'on a... bottes de fer brillantes, non. Est-ce que j'ai des chatoyantes quelque part? Bottes de fer, yes. Allez, regarde. On va équiper ça là. Tiens, on a qu'équiper celle en or aussi pour prendre plus de pièces. Je pense que c'est pas mal. Ah non, je voudrais... Ouais, bon, bah du coup, fais voir. Viens là. C'est pas grave. Ah ouais, parce qu'on en a beaucoup dans le truc, autant pour moi. Et on va prendre des marteaux. On va prendre marteau brillant comme Dany. Non, pas du tout. Chatoyant, voilà, ici. Est-ce qu'on peut en prendre un autre? On a... Non. Alors, attends. On va revenir là. Yes. Et on va prendre un marteau brillant comme ceci. Allez, ça devrait le faire. On va chausser les bottes de fer chatoyantes comme ça. Normalement, on est bien. Ça fait 40. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt propre. Avec le multiplicateur. Ça se laisse aisément taper dessus. Voilà. Ah ben on a pris un champi aussi. Parfait les gars. Voilà. Ça c'est fait, comme ça c'est nettoyé. On y va. Allô le monde. Est-ce que tout va bien? Allô le monde. Je n'y comprends plus rien. Allô le monde. Oh punaise, mais ça glisse. Mais oui, c'est de la glace Loïc. Bien joué. Bien joué papa. Allez, fais voir. On va essayer de boucher les trous. Il nous faudrait des trucs avec des crochets, c'est des bottes avec des crochets en fait. Comment peut-on faire ça? Parce que là moi je veux bien mais... Attends. tu bidouilles, tu sais.
Voilà. Hop, hop, hop. Doucement, doucement, là. Doucement. Voilà. Allez, on va reboucher tous les trous parce qu'on est comme ça, nous. Yep. Tiens, tu te calmes. Attrape ça, s'il te plaît. Attends, bouge pas. Bouge pas, on va prendre tous les trucs. Je fais parfois des numéros de claquettes aussi, ouais, c'est vrai. Ça m'arrive. Mais c'est ça. Mais vous pouvez clipper toutes ces choses-là, vous savez. J'ai un, on a un modérateur sur la chaîne qui nous avait fait un bon best-of, les gars. Et je vous dis que ça... Les gars et les filles, hein, d'ailleurs. Hein, y a rien de misogyne là-dessus, mais c'est juste que... C'est juste que des fois, je sais pas, les gars viennent mieux que... Que damoiseau et damoiselle, quoi. ça vient des fois un peu plus vite. Allez, fais voir. Oui, c'est vrai, la glace glisse. Et l'eau, ça mouille. Eh ben voilà, regardez, on est pas beau. Elle est pas belle, la vie. Sur un malentendu, j'y suis arrivé, les gars. N'importe quoi. Alors, pour ceux qui savent pas, en fait, on dit pas n'importe quoi. Hein. On dit que porte l'homme de petite taille. Parce que sinon, après, c'est un peu désobligeant. Aïe. Attends. Yep. Ah, j'arrive pas à me le... Je suis pas arrivé à manœuvrer assez vite, en fait, pour venir lui mettre ça dans la mouille. Est-ce qu'on a quelque chose, là? On aurait dit, en tout cas. Ouais, mais non. Oui, oui, mais pas du tout, Loïc. Allez, hop. Mais c'est tellement fun quand ça glisse comme ça. C'est comme Alice. Elle est très mauvaise, mais c'est pas grave. Je l'assume. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà. Ah, mais c'est tellement bien, ce truc. Mais par contre, il n'y a rien pour l'arrêter, là. Ah, it is an énigme, les gars. C'est d'une énigme. Allez, fais voir. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Eh ben voilà. Donc là, on est bon. Y a-t-il un... Ça doit être la sortie, ça, non? Ou pas? Mais non, on peut passer par là. Alors, droite ou gauche, les gars? J'allais te rappeler à l'ordre. Mais oui, mais je le sais, mon Cubix. Je le sais, mon cui. Mais mon creep. Voilà, mon creep. Il faut que, faut que je prenne l'habitude de t'appeler par ton nouveau pseudo. Je suis vraiment désolé. Ça va venir, hein, sur malentendu. J'ai mon cerveau qui va se mettre comme il faut, t'inquiète. Un jour ou l'autre, on se retrouvera. C'est tellement mauvais. Comme chanson. Fais voir un peu. Donc de l'autre côté, pour l'instant, je crois qu'on peut pas y aller, mais ou à moins qu'on puisse aller, mais par de l'autre côté. Pas sûr. Bon. On va regarder déjà par là, et puis on verra pour tout pour de l'autre... Oula. Qu'est-ce qui se passe, dis-donc, garçon? Ah bah oui, mais bien sûr. Aïe. Ah mais non, mais ça va être infâme, ça va glisser. Dites-vous, là-haut, vous pourriez arrêter de sauter, là. Allez, on va essayer de... Non, non, mais vas-y. Non. Mais t'es taré, mais ça va pas la tête. Ah non, aïe. Tu te calmes, Loïc. Ah, j'étais tellement arrivé. Je m'y étais cru. Ouais, je pensais qu'on y était. Allez, fais voir. Aïe. Ah oui, mais en plus il cumule, tu sais. En plus d'une, il saute, et puis en plus t'en mets plein la mouille, le truc, hein. Aïe. Ok, combat par vague. Ça pique, hein. Ça pique un peu les yeux. Évite les nœuds. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Sérieux? Qu'est-ce qu'il a dans la main? Alors, on va faire un truc comme ça, déjà. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, dans l'autre sens. Non, Loïc. Voilà. Tu te calmes. Ici, toi, on va venir, on va te mettre comme ça. On va t'avancer. Ah, mais non! Ah, mais non, mais c'est pas bon, ce que t'as fait, Lolo! Ah, zut, et puis en plus, on peut... non, ça va pas le faire. Ah, oh, zut, scheisse. Ah, j'y ai pas réfléchi. Ta mémé. Alors. Ah ouais, là, j'ai mal joué. C'est pas grave. Ça nous arrive, de temps à autre. Allez, fais voir. On va au moins remplacer, déplacer cela, mais ouais. Non, loupé. Loupé. Allez, on va prendre les bottes chatoyantes. De fer, bien sûr.
Ouais, du coup, là, comme on n'a plus le multiplicateur de 1,5, en fait, ça vient vite à... Alors, regarde, on va faire un truc comme ça, quand même. On va prendre le marteau chat... Non, reviens en arrière. Voilà. On va faire au moins ça. Tant pis, tant pis. On va éviter les dégâts. Allez, hop. Enfin, ça les tuera pas, hein, bien sûr, mais bon. Je pense qu'il va nous faire mal, lui, non? Allez, on va les attaquer. On va les finir comme ça. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. J'ai voulu aller trop vite, en fait. Je l'avais, mais j'ai voulu aller trop vite, je pense. J'ai toujours ce problème-là. Alors, regarde. On va demander au Todd. Parce qu'ils sont de bons conseils, des fois. Ils me font le premier déplacement, généralement ça m'aide après. Quoi? Quoi, 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 quoi? Kawa? Mais comment ils nous ont mis là? Alors ouais. Fais voir, on doit pouvoir faire comme ça, comme ça. Bim, on prend comme ça, on vient. Et voilà. C'est bon. Ça m'arrive des fois, ça m'arrive. Ouais, on va commencer par là, ouais. Ok, un petit peu d'excellence, hein, c'est pas souvent sur la chaîne, donc profitez-en, les gars. Allez. Voilà, eh ben, on y arrive. On y arrive. Ah, tiens. Ah, j'avais pas vu. Eh ben voilà, ça c'est bon. Alors, 2 secondes, hein, je fais un tout petit truc pour vous. Voilà. Ce sera bien mieux comme ça. En direct, hein, désolé. Hop, voilà. Encore un peu. On applique, on revient ici, voilà. Et ça vous évitera d'avoir un petit point noir sur le côté droit de la cam, en fait. Allez, on va gripper ça et on va frapper. On va pouvoir passer comme ça, je pense. Voilà. Parfait, les gars. Allez, les amis, on est parti. Non, aïe, j'ai sauté trop tôt. Désolé. Pareil. Dieu te le rendra un jour. Alors, attends. C'est avec la perspective, j'ai un peu du mal, je vous avoue. Non. Ah. Ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Alice, ça glisse. Loïc, 15e. Voilà. C'est bon. Allez, on va sauvegarder ici. Alors, tu as vu la grande bouche de cet ours? C'est... pour mieux nous sourire, à ton avis. Je trouve son rictus glacial, par contre. Ses crocs semblent solides. Ils ne vont pas casser facilement. Alors, examiner. Donc, il y a un autre... ouais, il y a un autre truc quelque part. Alors, fais voir. C'est trop drôle. À mon avis, on va prendre les marches d'escalier. Il doit y avoir quelque chose d'autre là-haut. Joli, bravo, ok. Alors, est-ce qu'on passe par là ou est-ce qu'on passe par de l'autre côté? On va commencer par là, puis on verra bien. Ah bah tiens, regarde, il y a un cœur, parfait. Génial. Ils nous ont donné tout ce qu'il nous fallait, finalement. Donc c'est bien par là. Non, pardon. Ah punaise, je vais trop vite. Il aurait fallu réfléchir... Ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon. On peut dégager ça déjà. Ouais, je pense qu'on est bon comme ça. Fais voir un peu. On va regarder, mais je pense qu'on est pas mal. On peut lever celui-ci et celui-ci aussi. Je l'espère en tout cas.
Mais je pense que. Je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a. Au pays des merveilles, c'est ça. Allez hop. On y va. En route vers l'aventure. Bon, on va essayer. Mais je pense qu'on est bien si on fait comme ça. On vient, on tape. Aïe. On tape là. Non. Tape. Voilà. Comme ça. Punaise. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il aurait fallu quoi que j'en laisse un juste. Juste là pour pouvoir taper dedans, c'est ça? Pas sûr. Ah mince. Fais voir. On va essayer de réactualiser. Est-ce que ça réactualise le truc ou pas? Réinitialise, pardon. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et si on fait ça? Possible. Je pensais que c'était plus simple que ça, mais pas du tout. Donc là, par contre, ça va nous embêter. Ici, celui-ci, il faut vraiment le garder. Fais voir. On va lever ça. On va lever ça là. Parce que là, si on vient se coller contre, on peut venir ici, mais c'est pareil. Après, là, je le pousse pas. Est-ce qu'on peut... Est-ce que... Attends, on va regarder comme ça si on peut le faire. Ok. Non. Ah. Comme ça. Voilà. Est-ce que si on fait ça, c'est bon? Yes. Ok. Il nous en manquait qu'un finalement. Allez, on va sauvegarder avant. On va venir ici. On va sauvegarder un petit peu avant, ouais. On va essayer de pas se casser la binette. Hop. On va multiplier. Alors, où est-ce qu'on est? Sur le nez, c'est où? Où est-ce que c'est? Non, je les ai pas. Bizarre. C'est peut-être plus loin que ça. Pourquoi on n'a pas d'indication là? Je passe un peu vite peut-être. Normalement on voit les bords, tu sais, qui se replient, mais j'ai pas l'impression de voir un truc. Non. Bah, quand même. Est-ce qu'il y a un truc à prendre quelque part ailleurs? Ah! Ah bah dis donc. Ok, ça avait du mal. C'est bon. C'est fait, c'est fait. Ok, petite fleur de gallico. Yep. Ouais. Pas confiance, mais on va y aller quand même. Hein. On est comme ça. Allez, on va essayer de pas se lourder par contre. Non, mais t'es sérieux? Voilà, c'est un peu mieux, non? J'ai mon fils qui s'excite en bas. Ok, on a un coffre, on a des boules. Est-ce qu'on peut leur taper dessus, vous croyez, ou pas? Non, pas du tout. D'accord. J'ai vu. On a vu, on a vu. Non. Loupé. Alors. Ouais. Alors, faut les laisser un petit peu. On va la laisser passer, puis on va... Voilà. Dépêche, dépêche. Voilà, on a pris un petit cœur et on continue. J'irai récupérer ton code PSN demain en MP. Je vais ajouter des gens
qui s'en fiche pas. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Cuit. Oui. C'est. Je sais pas. Oui, du coup, je sais pas. Du coup, je suis plus. J'y suis plus. Ok. Bim, on va passer comme ça. Mais pourquoi tu m'as demandé un avis? Mais ouais, mais t'as quoi comme pseudo sur PSN? C'est ça le problème, chouchou. Parce que des demandes, si j'en ai, mais que je sais pas qui c'est, des fois je réponds pas, chou. Et j'ai pas dû faire attention. Ça fait un moment qu'on n'a pas allumé la PlayStation parce que, bah, comme l'ordi est pas là et que ça fonctionne pas en fait. Du coup, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Alors, les bottes de fer hors service, ok, on va changer. Mais y a pas de souci. Tu m'as pas encore fait de demande, d'accord. Bah écoute, quand ce sera fait, il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte ta demande d'ami, il n'y a pas de problème, mon grand. Tu me préviens simplement et tu me donnes ton pseudo parce que des fois, il y a des faux pseudos qui tiennent là et qui traînent et j'aime pas bien. Waouh, ce qu'il nous met, lui. Mais ça y est, oui. Alors on va passer comme ça, pardon. Waouh. Bonjour, bienvenue les amis. Et salut les raiders, bienvenue les amis. Bienvenue à vous, merci d'être là. Installez-vous confortablement, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien surtout. Comment allez-vous? Bienvenue, salut John. Alors attends, avant de plus avoir de temps, on va finir le truc, voilà. Bienvenue les chouchous. Alors, vous étiez sur quoi aujourd'hui? Alors ce matin quand je suis passé, c'était un petit peu de discute, mais tiens, on va prendre une fleur brillante. On va essayer avec ça, on n'utilise pas souvent. Mais bienvenue et merci pour le raid en tout cas les amis. And his name is John, c'est ça, John Knight Rider. Rock Company, d'accord. Alors qu'est-ce que ça dit Rock Company finalement les gars? J'ai pas encore eu le temps de zioter. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui me suivent. J'ai une bonne nouvelle. J'ai l'ordinateur qui vient d'être réparé et qui devrait redescendre d'Allemagne dans pas longtemps. Donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir reprendre les lives qu'on faisait avant. Enfin un petit peu de live différent en tout cas. Mais merci d'être là les amis. Ah, Hollow Knight. Je sais pas comment tu arrives à jouer à ça, j'y arrive pas moi. vraiment, c'est une torture pour moi, Hollow Knight. C'est très beau, j'ai essayé d'y jouer, mais j'y arrive pas. J'ai essayé une fois, je crois. Et Rock Company, du coup, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais ça avait l'air pas mal aussi. Mais tu sais, j'ai du mal avec les jeux où il faut, sur lesquels il faut avoir des réflexes de ninja, en fait. Je suis pas très très doué avec mes doigts, j'ai deux mains gauches et que des pouces, donc j'évite les Fortnite, les trucs comme ça, tu vois, où il faut viser un petit peu trop. Je suis pas trop mauvais à certains jeux de tir, mais pas à tous en fait. Quand ça commence à être tout petit comme ça en fait sur l'écran, je peux pas. J'ai pas les yeux pour, tout simplement. Comment ça marche? Oh là, d'Itineris. Voilà. Non, zut! Faut qu'on recommence. Voilà. Exemple typique. Exemple typique. Donc, du coup, vaut mieux pas. Voilà. Ah, scheiße! Ya, Thunderbar. Je vais y arriver sur un malentendu. Ne vous inquiétez pas, les gens. Et mercredi. Ça, c'est parce que vous êtes nombreux. Alors, du coup, tu vois, après, moi, j'y arrive plus. Allez, fais voir. Est-ce qu'on y arrive? Oui, bien sûr. Ah, vite. Ta mémé, c'est pas assez. Ah, mais j'ai trouvé. Mais j'ai une idée. Mais oui, mais je suis bête. Ouais, c'est bon. J'ai pigé. Est-ce que j'y arrive? Pas du tout. Ouais, très sympa, c'est vrai.
Après, tout dépend du niveau de jeu, ok. Mais écoute, on est. J'essaierai vraiment. Il doit sortir sur Switch aussi, je crois, d'après ce que j'ai pigé. Est-ce qu'on peut le faire descendre, lui? Pas du tout? D'accord, bah tu vois, j'avais mal compris. Allez, vas-y, envoie-nous ta boboule. Allez, roule, 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 roule. Dépêche, dépêche, dépêche. Voilà, parfait. Allez, viens ici, regarde. Pour l'instant, c'est toujours en bêta, mais il sera free to play à la sortie. Voilà, c'est ça. J'avais vu passer, mais bon, je peux pas. Tu peux pas tout le temps te tenir au courant de tout en fait. Alors, par contre, ça va pas aller ça. Tiens, regarde. On va aller voir les Toads. Ils vont nous filer un petit coup de main. Et des fois, ça aide un peu. Aïe. Allez, on va faire comme ça. Et comme ça. Quand il y a trop de mélange, en fait, j'ai du mal des fois à appréhender le truc, finalement. On va passer par l'inventaire. On va reprendre des bottes brillantes, peut-être. Des bottes de fer, mais pas brillantes. Chatoyante. Est-ce qu'on en a? Oui, bottes de fer chatoyantes. Tiens, on va prendre ça. Et est-ce qu'on essayerait pas... est-ce qu'on essayerait pas avec une fleur? Ah, on en a qu'une, par contre. Les fleurs de feu... Elles sont peut-être un peu petites celles-ci, non? Fais voir ce que j'ai que brillante, non? Parce que je suis pas sûr que ça one-shot les boules en fait. On va essayer, regarde le marteau. Le marteau pillon brillant. On va essayer ça en tout premier lieu, puis on verra bien. Hop! Parfait! Parce que tout à l'heure, avec leur boule de neige, en fait, on n'avait pas réussi à les avoir du premier coup. Donc on a été obligé de les avoir juste derrière en fait. Ah, par contre, un peu moins bien, mais bon. Eh ben, je te remercie. Merci encore pour le raid. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et à très très vite, en tout cas. À très très vite, merci à toi. Et n'hésitez pas, les gars, hein, si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir notre ami John Knight Rider sur Twitch, bien sûr. On ira faire des raids. Quand l'occasion se présentera, on ira faire un raid chez lui, bien sûr. Et merci encore beaucoup, merci beaucoup. Ok. Allez, on va passer comme ça. Alors, par ici ou par là? Allez, on va commencer par là déjà. On va essayer de casser un petit peu tout ça, les amis. Le pire, c'est avec le boss, mais ouais, mais ça me rassure pas. Ça me rassure pas du tout. FR Ayulina, pardon. Si Ayu, si je peux t'appeler comme ça, ça m'évitera d'écorcher ton pseudo. Et si c'est bien comme ça qu'on dit d'ailleurs, du reste. Ok, on a une petite fleur là. On a un morceau ici. Où est-ce qu'il faut aller le mettre? Ah, il faut l'envoyer là-bas. Je l'avais pas vu. Il faut l'envoyer là-bas. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas mal. Ok, fais voir. Attends, on va se remettre là. C'est bon. J'avais pas vu le morceau, en fait. Donc là, normalement, pour le coup, on doit pas être mauvais. Si on se met comme ça et qu'on tape là, c'est bon. On doit pouvoir... Alors, à mon avis... Mais c'est pas du sûr à 100% les gars, mais à mon avis on doit pouvoir faire un truc dans ce goût là. Et peut-être ici. Voilà. Sur un malentendu, ça doit être faisable. Par contre, on n'a pas pris ce passage là. On y retournera. Attends. Voilà. Ah, mercredi, c'est pas le bon. T'as mémé. C'est la bonne... Alors, comme ça n'ira pas. Attends, il faut qu'on reprenne. Il aurait fallu laisser celle qui a juste là, en fait, remonter ici et partir directement. Ouais. Allez, on va essayer de remettre ça comme il faut. Ah ben, regardez. On a la balle, ça. Ok. Allons le monde.
Est-ce que tout va bien dans le monde? Ouh, une Émile Zola, les gars. On a un écrivain. Alors, dis-moi. Oui, tu peux? D'accord. Et oui, c'est comme ça. Alors, tu as fait... J'ai fait aucun Paper Mario, mais j'ai déjà vu quelques vidéos des combats avec des boss mélangés avec d'autres ennemis, mais dans une partie bien moins avancée, car le LP que je suis est encore au désert. D'accord, ok. Eh ben écoute, le désert il était pas mal. Je t'avouerai avoir bien crisé sur certains boss, mais vraiment. Et du coup, je suis content de pas avoir écorché ton pseudo. Merci en tout cas. Mais ouais, non, c'est pas simple, c'est pas un jeu pour enfants, hein, vraiment pas les gars. Il a l'air comme ça, mais il a pas la chanson en fait. Hein. Il est vraiment assez compliqué en fait à prendre en main, et puis quand tu crois que tu l'as pris en main, en fait il y a une nouvelle façon de jouer qui pop, et du coup tu t'es pas ouais, t'y arrives pas spécialement. Il faut, alors fais voir, à mon avis voilà, on va essayer comme ça, on va venir ici, que je te dise pas de bêtises, voilà, on va faire ça. Du coup. Qu'est-ce que... Ah ouais. Alors, attends. 2 secondes, 50 les gars. Ça va bien se passer. Voilà. On est bon. C'est pas un problème. Du coup, normalement, on est bien. Je vais passer par là. On va faire ça. On va venir ici. On va casser là. Et il n'y a pas de raison, on devrait pouvoir y arriver maintenant, même si ça glisse un peu. Voilà. Ah, punaise. Mais c'est le GG. Mais c'est le GG, les gars. Par contre, c'est censé aller où? Parce que moi, je veux bien, mais... Ok, bon. Ah, ça glisse. Comme Alice, mais différemment. Ouais, on l'a amené là, mais... Attends. On va lui taper sur le museau. Le seul Mario que tu as fait au final, c'est Mario et Luigi, les frères du temps. D'accord. Ah oui. Bah du coup, c'est pas mauvais ça. Combien de coups? 2. Maintenant, on les a. Ok. Tu vois, là, pour le coup, c'est assez simple, mais t'as des fois, j'y arrive pas, quoi. C'est un peu... C'est tout... Bon, c'est ma première fois sur cette licence, donc peut-être ceci explique cela. Quand tu as fait les premiers, peut-être que tu te... Qui arrive un peu mieux que moi, hein, j'avoue. Mais bon. Ça va. Dans l'ensemble, on arrive à se débrouiller quand même. Même si des fois, je vous avouerai vraiment ragé. Parce que je l'ai pas. Puis parce que les boss, ils sont pas simples, quoi. Allez hop. ...35, c'est pas top. Mais bon, ça le fait quand même. Ça le fait. Ça nous permet de prendre des pièces. Et c'est plutôt pas mal. Ouais, il est spécifique à celui-ci en fait. Enfin, c'est assez Mario là, hein, de ce que j'ai pu voir. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut décaler ces trucs-là en leur tapant dessus en fait? Je pense, mais j'en suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est faisable si jamais... Non? Ah, tu vois, c'est dommage, hein, parce que j'avais bien pensé que c'était possible à faire comme ça. Ou alors juste comme ça, dans ce sens-là? Non, et dans l'autre. Alors on va essayer de passer par là, parce qu'à mon avis il y a quelque chose quand même. C'est pas possible qu'on ait pas quelque chose pour bloquer de l'autre côté la pièce. Il doit falloir la faire descendre, ou je ne sais pas, mais il doit falloir la faire descendre. On va aller voir dans le trou qu'il y a juste là. Et puis on va voir comment ça se passe. Il y a un boss bientôt, ouais, mais ça je m'en doute, mais ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on a là? Fais voir où on va là. On va essayer de regarder. Ah. Allez, fais voir. Allô. Tête de l'esprit de glace, ok. Est-ce qu'on a quelque chose par là? Pas l'impression. Allez, fais. Donc là, non. On peut pas grimper dans la tête là.
pas du tout. Ça me paraît bizarre que tu puisses pas. Non, on est arrivé jusque là, remarque. On pourrait. Eh, merci, merci beaucoup pour ton follow. Non, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Là. Attends, je vais voir. Il doit y avoir un truc, hein, vraiment, il doit y avoir un truc. Si on peut pas. Il doit vraiment y avoir quelque chose. Ah, ah. Non. Pardon, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il a, il doit être cassé le bot, je sais pas, aujourd'hui. Mais merci en tout cas. Je suis voilà. Ton père. Merci les galériens en tout cas, et merci beaucoup pour ton follow. Ça fait très très plaisir. Allez, on va faire le tour de la salle, on va voir, il doit y avoir un truc. On va regarder un petit peu, ouais, on va regarder un petit peu mieux. Je vais quand même faire le tour de la salle, KO, comme ça on va peut-être arriver à voir quelque chose. Alors, est-ce que il faudrait pas faire un truc dans ce goût-là, peut-être? Non, c'est pas le bon sens, mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Et là, est-ce que on peut pas faire un truc dans ce goût-là? Voilà. Du coup, les bottes chatoyantes, ici. Aïe, aïe, je suis tout à contre-temps là, c'est pas mal. Le timing était vraiment, vraiment magnifique, les amis. Il n'y a rien à dire. Peut-être, ouais, on va voir. Ouais. Tu as raison. On va essayer ça. On va essayer ça. Je vais quand même faire le tour de la salle pour voir un petit peu, mais. Parce que du coup, je sais pas où est-ce qu'il faut le mettre. Mais je crois que j'ai. Allez. On va prendre les pièces qu'il y a là. Ta-da-da. Parce que du coup, il faut aller où? Non, mais le problème, c'est que je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller avec ça, quoi. C'est pas le problème. Faut aller là-bas derrière, tu crois? Je sais pas où il faut l'amener, voilà, c'est ça. C'est ça mon plus gros problème, c'est que je sais pas où il faut l'amener. Non. Faut l'amener là, peut-être, tu crois? Il doit falloir peut-être l'amener. Tu crois qu'il faille taper, qu'il faut taper dessus? Ça me paraît bizarre, mais on peut. Aïe, on peut essayer. Ah, j'y suis pas arrivé. Alors, quand il revient. Non. Allez, on va essayer. Ouais. GG. Mais je sais pas pourquoi on a fait ça. Mais c'était vachement bien. C'était vachement bien. Donc. Alors, fais voir. Ah, j'y suis pas arrivé. Ah si, mais punaise. Mercredi. On n'est pas bon. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Ah, oh, j'y suis pas arrivé. Alors. Ah, ça va être une galère incroyable, ce truc. Mais non. Oui. GG Loïc. Sur malentendu, regardez. C'est bon. Voilà, tu bouges exactement. Ah purée. Le pire tout pire. J'en sais rien. Attends, ils vont nous aider un petit peu les loulous parce que j'en sais rien. Ah ouais, ils le font comme ça alors. Bizarre quand même leur histoire. Allez, c'est pas grave. Tu vois, j'aurais pas fait comme ça du tout. Heureusement qu'ils sont là les Todd des fois parce que. Oups. Voilà. Parce que sinon t'y arrives pas tout simplement. Allez, botte chatoyante comme ceci. On va sauter là-dessus. Saute là-dessus, pépère. Allez, allez. Pardon les amis, c'est que il fait un peu chaud, on s'hydrate beaucoup finalement. Et bon, allez, on y est.
Ok. Mais il n'empêche que ça va pas être simple leur histoire. Hop, 1000 pièces, c'est parfait. Non, non. Ouais, j'ai vu que j'étais dans ton... Parce que là, ça va être chaud à choper. Hein. Vraiment. Hein. Alors attends, on va se mettre le plus possible comme ça. Oh, non, ça a pas marché. Ça a pas fonctionné. Du coup, ça a pas fonctionné. Oh, zut. Non. Alors. On va faire ça. Oh, ça marche pas. Je pensais qu'on aurait pu sauter. Non. Alors, on va réessayer quand même. Ça doit être la même. Ah, par. Attends, fais voir, on va regarder. Est-ce qu'il y a moyen d'aller péter le truc jusqu'à là-haut, tu crois? Peut-être, on va essayer. On va essayer. Je suis pas sûr que ce soit le bon truc, mais bon, on va essayer quand même. Est-ce qu'on ferait un truc comme ça? Un truc comme ça. Oh punaise, c'est pas bon. C'était pas là que je voulais le mettre. Non, c'était pas là du tout que je voulais le mettre. Ah ouais, maintenant je me suis fait complètement. Alors. Ah non, j'y suis pas arrivé. Ah purée. C'est pas bon hein. C'est pas bon, j'y arrive pas. Non. Et si je fais ça? Ouais. J'ai. Ah ouais, mais non, je peux pas revenir. Mais zut. Oh, attends. Attends. Ça va pas, Loïc. Loïc, ça va pas. Ah, mais je me suis fait. Punaise, mais du coup, je peux plus bouger de là? Ah, je me suis coincé, tu crois? Est-ce que tu crois que je me suis coincé? Attends, on va essayer de le remettre dans un autre endroit. On va essayer. Voilà. Du coup. Aïe. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire ça tout simplement? Et est-ce que là ça passe? Yes. Je voulais le faire en sautant moi tout à l'heure, mais finalement ça passait pas quoi. C'est pas un peu de. Je voulais squeezer le jeu en fait, c'est pour ça. C'est pas le principe de la mécanique, donc c'est pas possible. Merci. Oui, oui, on va sauvegarder. Quand elle dit ça, c'est qu'il y a un boss, Olivia. Bim. Hello le boss. Est-ce que tout va bien, hello le boss? On n'y comprend plus rien, hello le boss. On va bien en suer, allô le boss. Ok, il y en a une autre là. On va les regarder quand même. Salut. Ouais. Merci mon chaos. Ah punaise. Eh ben voilà, bim. Le porc. Hihi, c'était rigolo. On aurait cru qu'on dévalait un toboggan de glace au fond de l'océan. Alors je crois que nous avons été projetés jusqu'au sommet de la deuxième montagne. Où est-on au juste? Allez, fais voir, on va regarder un peu ce qu'on a par là. Oh, 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 oh. Allez. On va essayer de pas se lourder quand même. On va essayer de pas se mettre... Petite fleur. Des familles, ouais, ça sent pas bon. Effectivement, là, ils nous en donnent, les mecs. Du coup, ça risque d'être un tout petit poil compliqué aux entournures. Allez, faites voir. On va se servir un coup à boire et puis on va partir là-dessus, les gars.
Je vous fais un petit ASMR, hein. Je suis désolé. Un petit ASMR haut. Allez, c'est parti, les gars. Ah, il est magnifique, regardez. Il est magnifique. Mais par contre, il va nous faire tellement mal. Non, non, l'esprit de la glace a aussi été plié en origami. J'imagine qu'on peut s'attendre à ce qu'il contrôle la glace. Sois prudent, Mario. C'est possible. Bon, allez. On est parti pour une galère sans nom, les gars. Je le sens. Alors voilà un ours polaire de belle taille et ses griffes ont l'air rudement acérées. Mais ne te laisse pas intimider quand il n'est pas couvert de glace, c'est un simple origami comme toi et moi, on en viendra à bout. Donc il va falloir, d'accord, le réchauffer un peu. On n'a pas encore bougé qu'il s'abrite déjà derrière une muraille de glace, ce n'est pas du jeu. Donc du coup il nous faut du feu. Un briquet et du feu les gars, il n'y a pas de on là. On n'a pas de on. Pourquoi n'a-t-on pas de on? Ah bah si, mais il y a un coffre. Alors regarde, on va venir faire comme ça. On va faire ça d'entrée. Bim, comme ceci. Ça, ça va venir là. Certainement. Et ça. Mais on va le faire comme ça, mais de toute façon, tant qu'on n'a pas de on, c'est pas possible. Donc c'est pas grave. On va faire ça comme ça, mais vous en faites pas. Et salut ma Sonia, comment tu vas? Bienvenue. Alors, d'accord. Ah oui, il nous fait mal, Jean-Maurice, là. Hein. Ça y est, le on est là. Donc, du coup. Voilà, regarde. On va faire ça, comme ça. Bim, on va faire ça. Comme ceci. Et normalement, on est bon. Allez, ça va. Eh ben ça va très bien ma Sonia, bienvenue et merci d'être là en tout cas. On est parti, allez, c'est bon. Allez, on va prendre le pouvoir de l'esprit, j'espère que ça va suffire. On va le déglacer et puis après je pense qu'une fois le déglacé, on va devoir lui taper dessus. Ah, elle est sympa l'animation là. Elle est sympa comme tout. Ouais, ça lui fait pas beaucoup de mal par contre. Alors, qu'est-ce qu'il dit à ça de l'esprit de la glace? C'est nous qui suons, mais toi tu fonds. Ok. Aïe. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous met? Par contre, ouais. Alors, utilise les flèches, ok. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc dans ce goût-là? Du coup, on a un on. On a. Voilà. Non. Ah, c'est pas ça. Voilà, viens ici. Je pense qu'on va faire ça. On va venir ici. On va faire ceci. On n'est pas bon. Bah tant pis, regarde, on va faire ça. C'était pas ce que je voulais faire, mais on va faire ça. Ce sera allumé pour tout à l'heure, donc c'est pas très très grave. Normalement, ça devrait le faire. Allez. Même si on n'est pas... Est-ce qu'on peut faire avec ce marteau là? On va essayer en tout cas. C'est pas l'américain, hein, ce que j'ai prévu là, vraiment. Ça lui fait que 5 de dégâts. Bon, écoutez. Hein, c'est pas non plus. Pff, par contre, qu'est-ce qui nous fait mal? Waouh! D'accord, ça gèle le sol de l'arène. Donc il faut repasser par le. Ah, il pleut carrément des glaçons maintenant. L'esprit de glace a des pouvoirs de donner des frissons comme si le froid ne suffisait pas. Ouais, là par contre...
Il nous a planqué tous nos trucs là. Donc je sais pas comment faire, mais on va trouver. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Là, on va passer sur le cœur. Ok, on va passer là-dessus. On va passer là. On va essayer de faire ça. Pour voir si on peut pas casser les blocs de glace, en fait. Ouais, allez. On va faire ça. Il faudra qu'on lise dans l'enveloppe quand même. Il faut qu'on voie comment il fonctionne le bordel. On va essayer, mais ça doit pas être ça, mais on va essayer quand même. Ah, c'est trop froid. C'est trop froid, c'est trop froid. Ces points sont cassants, d'accord. Bon. Comme ça, c'est pas bon. Il va falloir qu'on trouve l'astuce. Il y a toujours une astuce en fait, mais il va falloir qu'on la trouve parce que. Là, on l'a pas. Ok, par contre, on est bon. Eh, merci, ma Sonia. Merci beaucoup. Waouh. Merci, fallait pas. Merci à toi. Oh là là, j'ai pas mérité tout ça. Fais voir. On va venir comme ça. On va prendre. On va faire un on. Ça va venir jusque là. Ça fait un on. Après, on le fait descendre. Donc du coup après on peut faire un truc comme ça, non, comme ça, bim. Ok, je pense qu'on peut essayer ça déjà, on va voir ce que ça dit, allez. Merci en tout cas, merci mais fallait pas, hein. Tu m'as gâté, merci beaucoup. Quoi? Mais il n'était pas pris dans la glace le truc, oh là là. D'accord, bon. Oh là, mais ce qu'il nous met. Ah, ça va pas être simple, hein, les amis. Je vous le dis. Faites attention, Mario. Chaussée glissante doit devenir des cases gelées ont l'air dangereuses. Oui, bah ça, on a vu. Ok. Alors, il faut qu'on arrive à sortir cette case-là, là. Voilà. Si on la met là... peut-être ça fonctionne pas. On va le faire là, hein. On va être obligé de le faire là, comme ça, ça va... Punaise, il aurait fallu reprendre un petit peu de cœur aussi. Ouais, allez, on va faire ça, mais c'est pas l'idéal. Je suis désolé, je le tiens pas là. On va prendre le pouvoir de l'esprit du feu, mais ouais, il faut qu'on trouve le bon cheminement, les amis. On l'a pas pour l'instant, mais il va venir, hein. Sur un malentendu en tout cas, il va venir. Ça nous a permis de faire fondre les cases. Qu'est-ce qui nous fait mal? Alors, fais voir. Est-ce que je peux faire ça? On va essayer de faire un truc comme ça. Il faudrait pouvoir le redescendre en fait. On va essayer de passer par là. Là, ça nous prend, ça va descendre, ça va nous filer du cœur.
Je l'ai pas, c'est pas bon ce que j'ai fait. Punaise, c'est pas bon ce qu'on a fait. Ça nous permet d'avoir du cœur peut-être, ouais, mais c'est pas l'Amérique. Allez, on va faire ça, c'est pas grave. Et du coup, on va allumer pour la prochaine fois. Mais ouais, désolé. C'est pas grave, on va faire comme ça. Il faut qu'on reprenne de la vie absolument, de toute façon, il nous fait tellement mal. 33 il nous fait à chaque fois. Punaise, il est terrible. Il est terrible de chez terrible. Oh, ah, la chienlit. La chienlit. Ça nous va pas dans ce sens-là. Là, ça nous fait descendre là. Alors regarde, on peut faire comme ça, on peut faire ça, mettre le cœur là. Comme ça. Écoute, ça nous apportera rien, mais on aura pris un cœur. On va essayer comme ça, tant pis. Tant pis. C'est pas l'Amérique. Est-ce qu'on peut faire avec le marteau? On va essayer avec le marteau. Ça m'étonnerait que. Ah non. Est-ce qu'on peut pas faire ça? Allez, on va essayer ça. Ça le fait. Ça fait pas grand-chose, mais ça le fait quand même. On n'aura pas perdu. On n'aura pas fait ça pour rien, pardon. Waouh, mais qu'est-ce qu'il nous met? Punaise. S'il est goldé le mec, s'il pouvait nous laisser un endroit pour venir réchauffer l'atmosphère. Ah punaise, il nous l'aimait, hein. Il nous l'aimait tous en plus. Alors, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc dans ce goût là? Là, ah, il faut bien y aller quelque part. Alors, non, pardon. Là on prend du cœur. Après on redescend avec une flèche, mais ça nous arrange pas. Là on va se geler les cacahuètes, donc ça va pas. Si on fait dans l'autre sens, on va direct là-dessus, mais là-dessus ça nous arrange pas non plus. Punaise, il y a pas de solution miracle là. Allez, fais voir. On va prendre le cœur parce qu'il nous le faut. On va venir ici, on va essayer de remettre une flèche. Ça va nous prendre l'enveloppe, le truc, là ça descend. Et on va essayer de prendre ça et de faire ça comme ça. C'est tout, c'est le seul truc que je trouve d'assez efficace. Et coucou Zonzon, comment tu vas? T'es en forme? Bienvenue à toi mon Zonzon. Alors faites coulisser les cases pour hisser les plaques de glace. Attention, si vous annulez, la glace réapparaîtra. D'accord. Attends, faites coulisser pour briser les plaques de glace, mais non, sérieux? D'accord, ok, bon, on aurait dû le faire avant, bien sûr, comme Vivagel, mais c'est pas grave. On va voir le truc, c'est pas un problème. Tiens, là, on n'a qu'à prendre un autre objet de type feu. Voilà, allez, on va lui faire ça, on verra un petit peu. On va trouver... Coucou tout le monde, est-ce que vous allez bien? Coucou tout le monde, on n'y comprend plus rien. Coucou tout le monde. Aïe, il nous fait mal. On est dans le mal là les gars. Alors t'es en train de me dire que si je fais un truc dans ce goût là et que je fais un... pardon, autant pour moi, et que je fais un truc dans ce goût là, ça les casse. Mais oui, mais ça les casse, mais bien sûr, comme Patricia. Ok. Donc on aime bien en fait. On aime bien si ça les casse. Patricia. On n'avait pas pris la mesure de ce truc là. Donc du coup ça nous fait plaisir. Et c'est de toute beauté. Par contre, on va faire comme ça. On va venir comme ça. On va essayer de faire ça là. Un truc dans ce goût là les gars.
Et il nous aurait arrangé peut-être sur le chemin de soin d'arriver à faire un truc un peu sympa, mais on va pas pousser dans les orties, on va pas y arriver. Allez, on fait comme ça. Sur un malentendu, ça peut bien se passer. On va déjà refroidir ses ardeurs à celui-là. Plutôt les réchauffer, pardon. Ok. Allez, on va pas lui faire grand mal, mais au moins. Au moins on va pouvoir peut-être lui taper dessus correctement. Allô, allô, y'a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Ah, tu te prépares mentalement. C'est l'esprit de la glace, oui, c'est l'esprit de la glace, oui, oui. Tu te prépares mentalement pour faire ton ménage. Je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier, j'en pouvais plus. Ma femme, elle me dit non, mais laisse et tout. Mais j'ai dit, mais t'as vu dans quel état c'est? T'as mon fils, je sais pas, tu le laisses 2 minutes en bas et t'as l'impression que c'est un porcassum. Tu sais ce que c'est un porcasson? Eh ben c'est mon fils. Voilà. Alors fais voir. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc dans ce goût là? Moi je dis ça mais je dis rien. Donc là ça nous fait venir ici. D'accord. Ça je le prends. Je vais essayer de le mettre low. Mais ça va pas. Ah! Scheiße! Bon, on va le mettre là, tant pis. Ah, mince, 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 mince. Putain, c'est neurasthénique même, c'est pas plus mince là. Comment on va faire? Ah, je me suis mal embarqué, quelle nouille. Mais quelle nouille, quelle nouille, quelle nouille. Du coup, bah tant pis, on va faire comme ça. On va illuminer comme ceci. Et ma foi, à mauvaise fortune, bon cœur. Allez, on va faire comme ça. C'est pas grave, ce sera pour le tour suivant. Elle marche très très bien, cette commande à l'eau. Elle est faite pour ça, en fait. Qu'est-ce que... D'après vous. Allez, on va essayer avec ces bottes-là. On a jamais essayé encore le corps à corps, donc... Bon, c'est quand même pas l'Amérique, hein. On va pas se mentir, les amis. Aïe, hello, is it me you're looking for? Il faut absolument qu'on soigne. Malheureusement, il faut absolument qu'on soigne. Malheureusement, il va bien falloir qu'on se soigne. Abandonner, comme dirait l'autre. Abandonner, les gars. Alors, on pourrait faire un truc dans ce goût-là. Je pense. Donc, je suis. Ce qui est quand même plutôt pratique. On va faire quand je pense, ça sent le cassoulet. On va prendre ça, on va faire ça, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Boum. Ça c'est bon, on vient jusque là, on est bien. Ok, maintenant on fait comme ceci. Non, comme ça. Alors ça nous prend, on est un petit peu loin, j'avoue, on est un petit peu loin. Mais bon, on va essayer de faire comme ça. Je peux pas t'aider, je connais pas du tout le jeu. Mais moi non plus. En fait, moi non plus. Non, Zozon, il est faussement... on croit faussement que c'est pour les enfants, en fait. Mais pas du tout. pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craigou. Les filles, on tombe à nos genoux. Mais c'est tellement... Ouais, non, il est un peu compliqué, j'avoue. J'avoue que des fois, je l'ai pas. Je suis un peu pressé comme garçon, tu sais. Je suis un homme pressé. Parce que bah, c'est comme ça. J'ai passé 3h30 sur le même truc. Généralement, ça me casse un peu les pieds. Mais là, il faut prendre son temps, en fait. T'as pas super le choix. Tant que t'as pas trouvé la technique, bah, t'as pas le choix. Et surtout, tu peux pas le chat. Alors... Ouais, tu vois, là, c'est un peu dommage parce que ça s'est mis comme ça. Alors, ce qu'on pourrait faire, à la limite, c'est un truc dans ce goût-là. Regarde. On pourrait faire ça. Je dis ça, je dis rien. Hein. Non, pardon. Punaise. Alors, on valide, on descend. On se le met là. On valide, on fait le tour. Bim, comme ça. Voilà, ça, c'est un déplacement. Et là, ah, scheiße! Ah, si, c'est bien, regarde, on va faire ça, on vient ici, comme ça on allume le bouton pour tout à l'heure.
malheureusement, on n'a pas trop le choix. Alors, on peut déjà armer les bottes chatoyantes, on peut le faire. Et après, on peut peut-être prendre un objet et on peut lui faire ça peut-être, une fleur de feu. On va voir ce qui est le mieux. Ok, un petit peu d'excellence hein, les gars, ça change un peu de d'habitude, mais bon. Ah, on y arrive. Donc ça c'était déjà pas mal, tu vois, mais c'est il faut vraiment faire attention. T'as vu, il nous enlève 36, il nous met bien des belles baffes le mec. Alors. Il faut forcément. Ah ouais, ça m'arrange pas. Alors, on va peut-être partir dans ce sens-là. On va partir dans ce sens-là. Bim. On va venir comme ça. On va venir là. On va casser la glace. Voilà. Et. Alors il faut absolument se le mettre là. Mais on peut pas prendre de cœur, si. Non, on pourra pas prendre de cœur par contre les amis, je suis vraiment désolé. On pourra pas prendre de cœur. Si, on peut prendre un cœur, exactement Loïc. On peut prendre un cœur en faisant comme ça et en se le poussant là. Allez, sur un malentendu les gars, c'est bon. Ça peut le faire. On a pris un petit peu de PV. On peut bloquer mais un tout petit peu, tu vois, tu bloques mais que partiellement en fait, sinon il te fait beaucoup plus de dégâts. Quand tu vois qu'il y a marqué garde, c'est que j'ai appuyé au bon moment, mais que finalement c'est pas, c'est quand même pas, ça fait quand même mal quoi, voilà ce que je veux dire. Tu peux pas annuler complètement l'attaque, au niveau des dégâts, il te fait des dégâts, puis voilà tout. Mais tu vois, j'ai pas trouvé la bonne technique, je pense pas. Je pense pas avoir trouvé la bonne technique parce que t'as vu, on galère un petit peu. Il faut que j'arrive à essayer de faire là. Tu vois, là j'ai fait une garde, ils m'ont enlevé que 19 et c'est le moindre mal en fait. Alors là. Si on fait ça. Ça nous arrange pas du tout en fait. Là c'est un gros problème. Et je l'ai pas. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais j'ai pas ce qu'il faut en fait. On va faire ça, mais c'est pas. J'aurais voulu me placer un cœur sur la route en fait. Mais malheureusement, j'ai pas. Alors. Normalement là je pense que c'est par contre là pour le coup je pense que c'est ce qu'il faut vraiment faire. On est peut-être pas assez sur la case extérieure parce que ça lui fait beaucoup plus de mal si intérieur pardon, si t'es plus près en fait. Mais bon, voilà, tu vois, ça c'est exactement dans quelle position il faut te mettre, mais encore faut-il y arriver finalement. Et normalement il est trop assommé pour attaquer, donc ça c'est plutôt parfait, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de nous sauver un petit peu la vie de la life. Et par contre, tu vois, on a plus de boutons. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire un truc comme ça, je crois. Ouais, bah écoute, on va faire ça. Hein. J'ai pas autre chose. J'ai pas autre chose en magasin les gars. Alors on va faire un truc dans ce goût là. Allez. Donc voilà, il faut être, tu vois, s'il faut vraiment être très patient. On va y mettre une fleur de glace. De feu, pardon. C'est ce qui lui fait un petit peu le plus de mal en fait. Donc ça c'est quand même un peu assez propre. Hein.
Saleté. Alors, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas trop mal, hein, je dois avouer, les gars. Alors, on va passer là. Donc ça, c'est bon. On va passer sur le on. On fait comme ça. On vient là, on va enlever la glace. Parce qu'on est comme ça. Ok, est-ce qu'on peut pas avoir un cœur? Punaise, on peut pas avoir de cœur par contre. Tant pis, tant pis. Bon, écoutez, on va faire ça. Allez. C'est déjà mieux que rien. On va pouvoir se débloquer. Bon, c'est ça va, on va y arriver, je pense, j'espère en tout cas. Il faut vraiment par contre qu'on arrive à choper du champix, enfin un cœur hein, qui traîne sur les meilleurs, c'est les cœurs rouges et blancs. Ceux-là, ils sont plutôt goldés, ils sont plutôt bien. L'idéal là, ce serait de l'idéal là, ce serait un truc comme ça, par exemple, tu vois, venir ici, que je te dise pas de bêtises, faire comme ça. Ok. Là, tu viens là. On part directement par là. On prend le cœur. On appuie sur on. Et ça, c'est bon. Voilà. On se met comme ça. Pardon. On vient. On casse ça. Là, on vient sur le on. On vient sur le on. On peut pas redescendre. Si, on peut redescendre. Et on vient jusque là. Normalement, ça, c'est bien, par contre, les gars. On va prendre deux cœurs en plus sur le passage. Donc, normalement, si je me trompe pas, on doit vraiment pas être mal. Hein. Vraiment. Hein. Ok, ça, c'est vraiment parfait, ce qu'on a fait. Regarde, on a repris pas mal de vie. Donc, du coup, je suis plutôt content. Allez. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau pour une fois. Allez, on va gripper et puis on va taper. Ok, on le tient. On commence à le tenir. Il faut vraiment et vraiment arriver à trouver le pattern, la bonne façon de faire sur les boss. Et à chaque fois, je suis un tout petit peu trop pressé, tu vois, pour faire tout ça. Par contre, ouais, il déconne là. Il déconne pas le mec. Voilà, bon là, il se défend hein, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc, garçon? Mais t'es un malade. Mais t'es un malade. Qu'est-ce que... J'appuie au hasard ou quoi? Ok, bon, il est pas content. Hein. Pas content, pas content, pas content. Voilà, il a à présent des cases gelées un peu partout sur l'arène. L'esprit de la glace a l'air sacrément fâché. On a intérêt à en venir à bout avant qu'il ne repère... qu'il ne perde son sang-froid. Pardon. Alors, on pourrait faire un truc comme ça. Ok. Pas. Je l'ai pas, les amis. J'ai que des flèches qui descendent là, de toute façon. Donc là, si je passe là, ça fait le tour, ça descend là. Alors, regarde. Non, c'est ça. On fait ça, on vient là. Comme ça. Ah, punaise, mais non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave. On fait ça, c'est pas grave. C'est pas très grave. Je crois que si on fait ça, déjà, ça limitera un petit peu les dégâts. Allez, hop. Voilà, on allume pour la prochaine fois, c'est pas très grave. On va prendre un objet et on va prendre une fleur parce que ça fait 4 x 4, 16, ça peut être bien. Ça lui ferait 16 de dégâts, ça peut être bien, vraiment.
Ah, c'est pas l'Amérique, mais ça peut être bien. Allez, on va essayer de se le finir pour la prochaine fois. Loupé. Waouh, 61 de dégâts. Mais t'es sérieux là? Oh, ce qu'il nous a mis, les gars. Punaise, 61 de dégâts, ça fait mal par contre. Alors, ces cases vert glacé transforme l'arène en vrai labyrinthe. Ok. Mémorisons vite comment atteindre sans danger le cercle de pouvoir. D'accord. Ok, allez, on va essayer. Vous l'avez, les gars, ou pas? Oh punaise, je l'ai pas, je l'ai plus. Je dois plus l'avoir, les gars, mais c'est pas grave. On va y arriver. Mais non, mais c'est plus ça. Ouais, il est vraiment énervé. Hein. Il est vraiment énervé, ton pote. Donc, allez. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Après. Mais on s'en moque en fait, puisque. Mais non, mais je. Enfin, je veux rien dire, mais si je fais ça là. Par exemple, là, je veux pas dire de bêtises, mais si je fais ça. Quel est le problème? On est trop loin? Non? Ça devrait le faire, non? Voilà, on s'en moque. Mais on s'en moque. Mais voilà, mais carrément, on s'en bat les steaks, les gars. Mais n'importe quoi. Mais sérieux, mais t'as vu? Suivez le. Mais non, mais pas du tout. Mais oui, mais bien sûr. Merde. Mais oui, mais pour une fois que j'y arrive, les gars. Mais c'est n'importe quoi. À la vôtre, merci. Mais ouais, mais j'ai pas compris leur histoire là en fait. Il y avait juste à glisser le cercle de pouvoir et il restait quasi rien, tu sais, mais n'importe quoi. Punaise. Alors mémorisez bien, les gars, il faut faire tout le tour par là. Non, mais j'ai tout. Oh là là, mais j'ai. Bon, mais c'est pas grave, on y est arrivé. Merci, les gars, merci à tous en tout cas. Merci, Soso. Et merci Zonzon, et merci à tous en tout cas, mais c'était très drôle là l'histoire. Mais pour une fois que j'y arrive, tu sais, mais j'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris. Allez, Codex Glacier, Glaciae, pardon. On va parler comme il faut. Ah Sonia, je sais pas si je t'ai dit, j'ai l'ordinateur, c'est bon, ils l'ont réparé et ils me le renvoient. Donc en espérant que cette fois ça le fasse, mais ça devrait être sympa. Alors d'accord, il faut que je plie ici, puis rassembler ces deux là, comme ça, ouf. C'est pas évident quand même, hein. Ah, je vois, oui. C'est bon. Ok, ça va. Allez, on a trouvé. Alors, je crois que j'ai compris. À présent, je devrais savoir faire le pliage pour me transformer en esprit de glace. Voyons un peu. Je suis impatient de découvrir ces nouveaux pouvoirs. Bon, mais écoutez, comme ça, on a trouvé. On a trouvé comment rentrer dans les deux autres maisons, en tout cas, enfin une de sûre, la deuxième je sais pas, mais une de sûre. Allez, on reste encore une petite demi-heure peut-être ensemble, pas plus que ça, mais en tout cas c'était bien sympa là. Ça m'a bien fait rire en tout cas. C'était très drôle. J'ai dit mais c'est pas possible l'histoire là. Oh le pauvre, il a glagla, il a froid. Alors, même sous la forme, pardon, de l'esprit de la glace, j'ai toujours aussi froid. Allez, c'est bon. Mais je n'en perds pas de vue, le plus important pour autant. Recule un peu. Mario, je vais tout de suite tester ce nouveau pouvoir. Voilà. Ouais, bah c'était ça. Mais il faut qu'il nous fasse un truc un peu plus plat que ça, quand même, pour là-bas. Mais c'est ça, l'histoire, en fait. Parce que on est arrivé sur une île, Zonzon, et sur l'île, il y a
trois épreuves à faire pour trouver trois orbes différents. Et en fait, j'arrive pas à accéder aux maisons, donc simplement il faut certainement entourer d'eau et puis après mettre de la glace, tu vois, comme là. Allez, c'est bon, on a compris. Il n'y a pas un raccourci? Non? Peut-être pas. Ben peut-être c'est pas par là surtout. Alors. On va aller regarder de l'autre côté parce que c'est peut-être plus de l'autre côté du coup. Est-ce que... Ne serait-ce point par là? Est-ce qu'on peut pas... Est-ce que c'est par là? Peut-être pas. Je sais pas. Ils peuvent pas me mettre une flèche. Non mais une flèche pour les nuls. Allez les gars, mettez une flèche pour les nuls s'il vous plaît. Ah je pense que c'est ça. On l'avait bien vu lui. Déjà. Déjà c'est bien si on peut le prendre. Et si jamais j'y arrive en fait. Parce que comme ça glisse. Allez, maître origamiste. Ok, on a trouvé encore un petit trésor. Parfait. Et on va aller voir de l'autre côté. Parce que ça doit être de l'autre côté la sortie je suppose. Ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut grimper là? Oui, on peut regrimper. J'ai mon fils, il s'excite. Il va falloir que je le rejoigne les amis. Parce que là, je crois qu'il est en train de craquer. Like a flower in the wind. Il est en train vraiment de craquer. Est-ce que c'est... Ouais, c'est par là, regardez. J'avais pas vu. Ils auraient dû faire une flèche, tu sais, pour les nuls. Dites, vous pouvez pas me dire par où ça se passe. Ne tombe surtout pas. Vite, agrippe-toi à moi. Génial. Ah, en vrai, si ça existe, un truc comme ça, ça doit être trop bien. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Merci. C'est gagné. Merci à toi. Merci beaucoup, mon chouchou. Et voilà. Bon, mais écoute, on est bien. Les statues de l'esprit de la glace nous sourient toujours. Je crois qu'elles ont apprécié le spectacle. On peut passer par là, tu crois? Ouais, regardez, un autre coffre en plus. Trop facile. Hop, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé cette fois? Allez. Ok, l'île du carreau. Donc on est sous la mer en fait. On est arrivé ici à bord d'un petit sous-marin. Et du coup, il faut faire tout... Et du coup, voilà, on est sous la mer finalement et on doit récupérer des orbes. Alors on a commencé par la maison de force. Et puis là, attends, on va sauvegarder ici. Donc on a fait celle-ci là de maison. Avec l'esprit de la terre. Donc on a récupéré pas mal d'esprits. Enfin d'esprits. Ils disent esprits pour le jeu de mots, mais pas mal d'esprits si tu veux. Et donc là, tu vois, il faudrait qu'on aille dans cette maison ici. Et puis dans cette maison là, on a des cercles de pouvoir qui sont sur le sol. Et donc je pense que pour pouvoir y accéder, en fait, il faut juste simplement faire un truc comme ça. On va remplir d'eau et puis on va y mettre de la glace et je pense que c'est pas mal. Donc on utilise l'esprit de l'eau. Il est plaisant à regarder, ouais, il est plaisant à regarder, vraiment, vraiment. Et je suppose qu'il doit être encore plus plaisant si tu regardes quelqu'un qui sait jouer, quoi. Mais non, il est très bien, vraiment, il est sympa. Il est sympa, mais il m'a fallu, tu vois, peut-être, c'est quoi, c'est le troisième boss? Le quatrième esprit là qu'on se fait et il m'a fallu ouais bien le quatrième pour commencer à piger comment ça se manœuvre hein, l'histoire hein. C'est pas si simple que ça finalement. Ok, donc là on a l'esprit comme ça et puis on va utiliser bien sûr l'esprit de la glace du coup maintenant. Et voilà. Je pense que normalement ça doit le faire et ça devrait le faire aussi pour l'autre. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire la même chose pour l'autre maison? Ce serait pas mal quand même.
Ok, ici c'est fait. On va faire les deux, puis après on va sauvegarder. Et je regarde un petit peu l'heure qu'il est. On a encore, ouais, on a encore un petit peu de temps. On va aller se recharger aussi sur le banc qu'il y a là. On va y faire exactement la même chose à celui-là. On ira se recharger juste à côté. Il faut qu'on fasse attention. On va regarder aussi ce qu'on a comme objet sur nous, comme pour éviter de se retrouver à court si jamais on a besoin. Mais normalement, il doit y avoir juste des. Eh hey, mon Melio, salut. Bienvenue mon chouchou, bienvenue à toi mon Melio. Bienvenue, merci d'être là en tout cas. Quoi de beau, pas trop fatigué de ta journée mon Melio? Ouais, je pense que c'est ça en fait. On fait ça pour tous. Un pour tous et tous pour un. Et normalement on est bon. Allez, fais voir. Un petit peu de glace encore. Il faut vraiment que je m'achète une chaise un peu plus confortable pour live. Parce que là, je vous avouerai que ça tape un peu. Vive le week-end, exactement. Exactement. Ouais, je sais bien. Je sais bien mon Melio. Au grand malheur, je vais rattaquer à travailler moi aussi. J'ai eu deux semaines de congé, là ça m'a fait du bien, hein, je dois vous dire. J'ai moins livé, j'ai pris un peu plus de temps pour moi. Pas à 100% mais quand même. Mais j'ai fait une bonne coupure quand même, ça m'a fait du bien. Les ennuis vont recommencer en rattaquant le travail, mais bon, ça c'est comme ça hein, les amis, malheureusement. Hein. On n'a pas trop le choix. Ok, voilà, allez, tout est débloqué. On va venir ici, tiens, on va recharger notre sac. J'ai voyagé des années sans répit, jour et nuit. Allez hop. On va se recharger un petit peu. Les bancs nous aident à reprendre de la vie en fait. Tout simplement. La dure loi du travail, ouais. Bah ouais, mais t'as pas fini mon Melio. Hein. Parce que moi j'ai 44 et ça fait 20 ans que je travaille déjà. Mais même plus que ça, 23. Mais du coup, ouais. C'est pas. T'as pas fini quoi. Hein. T'as vraiment pas fini. Alors, fais voir laquelle on fait. Bon, on va faire celle-ci en premier. On va sauvegarder quand même avant. Hein. Qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien si jamais le jeu il crache. Voilà. Allez, on va essayer de faire la deuxième épreuve pour avoir la deuxième orbe. Donc l'orbe bleue. On va commencer par celle-ci, puis on fera l'autre après. Hein. Donc c'est pour ça, il faut. Ouais. Il faut essayer de faire ce qu'on aime quand même le maximum, parce que même quand tu fais ce que tu aimes, je pense que au bout de 20 ans ça tape un peu. Alors bienvenue à l'épreuve de la sagesse, réussis les 3 défis qui t'y attendent pour remporter un orbe. D'accord, donc force, sagesse et pilote, je me souviens plus ce que c'est, ça doit être souplesse peut-être, mais allez on va voir. Il va falloir que vous m'aidiez parce que moi la sagesse vous savez, ça me parle pas, vraiment c'est pas un truc qui me parle. Alors, un V ou un X? Oh, mais oui, je sais, c'est un quiz, vrai ou faux? Allez, on va essayer ça. J'ai juste, on a gagné un défi alors? Hihihihi, c'est pas facile en fait. C'est pas difficile, pardon. Que l'épreuve de sagesse commence. Ok. Alors, réponds à chaque question avec V ou X. J'ai pas de V ou X moi. Dans le temps est parti, ok. Allez, dis-moi. Première question. Des champignons et une pomme étaient représentés au rez-de-chaussée de la tour du Belvédère. J'en sais rien, moi. Je sais pas. En fait, je sais pas. Ah, c'était pas ça. Je me souviens plus, la tour du Belvédère, c'était il y a 10 mois, tu sais, ils sont fous. Ils sont fous complets. Comment je le sais? Vive les Pokémon pour se relaxer. Bon bah écoute, on va y retourner. Hein. J'espère qu'ils nous donneront la même parce que comme ça on est tranquille, tu sais. Je sais pas, ouais, c'est quoi ces questions exactement? Comment tu veux que je m'en rappelle? C'est au début du jeu, tu sais. Mais au tout début en plus. Alors, réponds à la question. Première question.
Lorsqu'on descend la rivière Folio, le dernier arrêt est le Mont des Merveilles. Folio, 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 Folio. Non. Je crois pas. Je sais pas. Je crois pas. Je suis bigoudi. Pourquoi je suis bigoudi au fait? J'ai pas compris la dernière fois. Je suis un bigoudi, pourquoi? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Correct. Le dernier arrêt, est Valoran. Bravo, on est qualifié. Ouais, mais ça nous arrange pas parce que tes questions, c'est pas de la sagesse, hein. C'est un peu pourri tes trucs, hein. Parce que punaise, mais non, mais si tu te souviens pas, t'es marron, quoi. Allez, deuxième question. Le mont Belvédère, doté de plusieurs petits sommets, compte autant de montées que de descentes. Mais comment je le sais, moi? Allez, j'en sais rien. Vraiment, vraiment, je sais pas. T'es sûr de toi? Allez, oui. Je suis rigolo comme un bigoudi, c'est vrai? Comme bigoudi dans Animal Crossing, mais c'est vrai. Mais excuse-moi. Merci. Je le prends comme un compliment, d'accord? Allez, écoute, c'est du pifomètre ça, mais carrément, zonzon. Je t'explique même pas l'angoisse. Et la troisième question. Qu'est-ce qu'il y connaît? Rick Hunter aux femmes, réponse à rien. Ah non, zut, quoi? Alors, troisième question. Parle avec ces trois statues, une seule d'entre elles ment, laquelle? Bément. Je ne mens pas. Amant. Mais j'en sais rien, moi. Parle avec les trois statues, une seule d'entre elles ment. Qu'est-ce qu'elle dit, lui? Amant. Bon, bah écoute. Quoi? C'est C? Non. T'es sérieux? C'est C qui ment, tu crois? Allez. Attends, je valide ou je valide pas? Alors, Zonzon, c'est B. Mais... Non, mais les gars... J'en sais rien. Ah, monsieur et madame, c'est rien. Allez, allez. On va dire A. Si c'est pas ça, je suis mort. Le GG. C'est le GG. N'importe quoi. N'importe quoi, ce jeu. Ah, tu as vaincu l'épreuve de la sagesse. L'heure est à la célébration. Allez, bim. C'est les macasses. Ah, purée, mais n'importe quoi. Génial. C'est... Oh, merci. En vrai, c'est le plus gros hold-up de la création. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah! Yes, we did it! C'est gagné! Jurez, les gars, c'est le plus gros hold-up de la création, ce truc-là. Là. Bah, du coup, on s'en va alors. Hein. Punaise, n'importe quoi. C'est ça, vive les tombolas, exactement! Eh oui, 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 ben oui, ben oui, re à toi, re à toi, re bienvenue. On a fait un hold up, c'est le hold up de la création, Ayou, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais on s'est bien régalé en tout cas sur les splits de la glace. Et on a plutôt bien joué, on a été patient pour une fois et donc on a vraiment bien mené notre barque là sur le coup. On a récupéré la deuxième orbe pour toi, pour que tu saches où est-ce qu'on en est. Et donc ça c'était le temple de la sagesse, on avait fait le temple de la force en tout premier lieu. Et du coup, on va aller faire le troisième temple. On va peut-être sauvegarder, ça nous évitera de si jamais on a perdu un, on a perdu un truc. Si j'ai perdu mes clés ou quoi, on sait pas. Je vous expliquerai les gars, c'est le syndrome Subnautica ça. Parce que avec Subnautica des fois c'est pas simple, vous savez. Et j'ai adoré ce jeu, mais par contre il était tout buggé. Et du coup il arrivait souvent que ça plante en plein milieu et je sauvegardais jamais en fait. Et du coup c'est pas bon. C'était pas bon du tout. Et on va se faire le dernier temple et je pense qu'on s'arrêtera là les amis. Si on est sage, bien sûr qu'on est sage.
bien sûr KO. Vraiment, on est très très sage. Tu vois, on a été sage. Allez. Alors, c'est le temple de quoi, ça hein? L'épreuve de courage, d'accord. Réussis trois défis qui t'attendent pour remporter un orbe. Ok, allez, on va voir ce que c'est. Avec un... Sur un malentendu, on va y arriver. Hein. Oh là. Alors, tremble, temple des épreuves, on n'a pas peur de toi. On va te faire voir de quoi, hein. Alors, que l'épreuve de courage commence. Approche. D'accord. Alors, cette corde est reliée à un objet invisible, celui qui va bientôt te tomber d'en haut, d'accord. Appuie sur A pour attraper la corde. Quand tu relâches A, un objet commencera à chuter rapidement. D'accord. Tu dois l'arrêter en appuyant sur A, mais seulement après qu'il ait déplacé la flèche. D'accord. Si tu arrêtes l'objet au-dessus de la flèche, ton manque de courage sera exposé aux yeux de tout ça. Mais c'est génial ce truc. Allez, fais voir. Ah zut! Ah la nouille! La nouille! Ah mais quelle nouille! Mais oui! Ça vibrait tellement dans la manette en fait. Alors tu as échoué, rejoins l'entrée. Mais oui, mais on va recommencer, c'est pas grave. Aïe! Mais tu te calmes, oui. Mais c'était. Ouais, d'accord. Allez, on va se le refaire. Mais. Quoi? Ah oui, non, il faut reparler à la statue. Allez, hop. On y retourne. Ah purée, purée, la violence, t'as raison. Bouh, bouh, bouh papa galère. Alors, que l'épreuve de courage commence, allez, on y retourne. Allez, c'est bon. Non, 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 c'est bon. On a compris qu'on était des couards, les amis. Mais pourtant, mais je suis bête, ouais, ouais, on avait 100 fois le temps, en fait. Je sais pas pourquoi. Allez, hop. Et là, c'est là, tu sais, ça va nous tomber sur la... En 2 secondes 50. J'aurais pu le descendre un tout petit peu plus bas. Mais c'est pas mal déjà. C'est bien déjà. Allez, bravo, tu es qualifié pour le défi suivant. Va, va, venge et que rien ne dérange. Allez, on va essayer. Comment ça, Loïc l'autruche à l'écran? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, te voilà pour une seconde épreuve de courage. Ah oui, oui, plus bas que ça. D'accord. Et à la fin, il faut faire tout, 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 tout. Allez, c'est bon. Qualche giusto, giusto, hein. Moi, je vous le dis, hein. Qualche giusto, giusto, hein. Oh, mercredi. Ah, j'ai pas fait exprès, hein. Bravo, tu es qualifié. Et alors, y a rien là. Ouais, là, par contre, personne n'a dit, hein. Non, non, mais c'est un coup de bol, mais le coup de bol incommensurable, tu sais. Allez, on y retourne. Hein. Écoute, sur un malentendu. Mais ça va être tellement près. Ouais, ça va, ça va, ça va. Allez, on gère, pépère. Enfin, on va essayer en tout cas. Ah, mais regardez toute la corde qu'il y a. J'ai appuyé, mais les pics, j'avais pas vu les six gros pics, les amis. Ah mince, zut, oh, il faut tout refaire. Bon, bah, c'est pas grave, on va tout refaire. Allez, ouais, ça descendait bien vite. Il était bien gros le truc. Monsieur, oh, il part avec votre poncho. Mais carrément, il faut que je fasse ça avec, avec souplesse, délicatesse et parcimonie, mais pas avec mon poncho. Mais 3000 pièces, mais t'es sérieux? Bon. Eh ben écoutez, c'est reparti mon kiki. Hein. Mais la dernière, mon Dieu. Sortez-vous les doigts du
Ah, on va essayer, Melio. Allez hop. Mais ça descend tranquille, là ça va, mais Melio, vous vous moquez toujours de moi, mais c'est tellement bien, écoutez, c'est tellement bien. Allez, attendez deux secondes. Je vais deux secondes remplir un petit peu l'eau, le verre, parce que en fait ça donne soif. Après je pisse toute la nuit, hein, mais c'est pas grave. Hop, allez viens ici. Allez, c'est parti. Mais bien sûr, KO, bien sûr qu'on est là pour ça. Heureusement. Heureusement. Ouais, ils ont modifié. Ils ont modifié la hauteur, là, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'en bas, ils auront modifié aussi? Je suis pas sûr. Ah, c'est gentil, mon Melio. J'essaie, en tout cas, tu vois. Mais c'est, je fais pas l'unanimité avec tout le monde, mais en tout cas, j'essaie. Mais il y a des fois où tu y es plus que d'autres, hein. Un humour unique, c'est pas faux. Il est le mien. C'est c'est l'âge, c'est pas l'eau. N'importe quoi. Ah bah là ça va le faire quand même. Allez, ça devrait le faire. Ils nous l'ont donné, hein, là les gars. On va se le prendre dans la mouille, le truc. Alors, il n'y a rien. Non, ça va. Sérieux, ça va. Eh ben voilà, on a tous les orbes, les amis. Alors, tu as vaincu l'épreuve de courage. L'heure est à la célébration, bien sûr. Ouais, ça a été limite quand même. Tu l'as vu, hein. Un bon gros. C'est gagné. C'est gagné. Yeah. Yes, we did it. C'est gagné. Il a vu, Zonzon, que c'était limite quand même. Allez, assez célébré. Passe dans la pièce suivante pour obtenir ton orbe. J'ai mangé quoi? Des sushis. J'adore les sushis. J'adore les fleurs. Non, j'aime bien les donjons. Parce que vivre dans un donjon. N'importe quoi. Tu sais, c'est l'heure où je commence à craquer un peu, tu sais. Mais revenez, les gens, revenez. Mais revenez, les gens. Je suis pas tout bien, revenez les gens. Allez, c'est bon. Le plus courageux, c'est Mario, mon héros. C'est ça. C'est exactement ça. Mais barrez-vous, con de mime. Ah, punaise. Vous voyez à quel point ce jeu me fatigue. Des fois, il est... C'est pas un jeu détente, en fait. C'est pas un jeu... C'est pas ce que j'appellerais un jeu détente. Alors, admirable voyageur, tu as conquis les épreuves de force, de sagesse et de courage. Félicitations. Mais c'est cool. Il est vraiment bien. Hein. Nous, on a la Triforce, exactement. Tu as réussi les trois épreuves. Bravo, Mario. C'est ce que je disais la première fois on est arrivé ici, que c'était la Triforce, ouais. Ah, mais en fait, c'est quoi un orbe? Alors, une orbe. Un orbe. Non, c'est un orbe, d'ailleurs, du reste. Ouais, il a raison, complètement. C'est une boule. Et une boule ne fait pas de politique, voyons. Allez, on va sauvegarder, puis on va sortir de là. Je pense que on a fait le tour. On va retourner dans la mer. On va reprendre notre sous-marin, puis on va repartir, on va grimper. Et puis normalement, on s'arrêtera. Désolé. Désolé mon. Désolé Melio. Mais je suis un peu là pour ça, hein. Je suis là pour vous donner un petit peu de bonne humeur. Tiens, il y a Captain Toad. Alors, si tu souhaites regagner la surface, il te suffit de venir me le dire. Ouais. C'est Capitaine Toad. Ah,
Ah, je sais pas, tu sais, je honnêtement, je regarde pas. J'écoute pas et je regarde pas tous ces bonimenteurs. Ça fait un moment maintenant que je regarde plus. On va aller en D1. Toucher. Couler. On va aller en D1. On va voir s'il y a un truc là-bas, mais je pense que oui. Allez, faites voir. On n'avait pas. Attendez, je remets la carte parce que. Oui, il y a un trésor qui nous a été indiqué à la Croix-Rouge. Voilà. La Croix-Rouge, c'est. On ira tout à l'heure. On va grimper quand même. Allez, fais voir. On va grimper, on va l'accélérer. Vroom, vra vra vroom. Et je pense qu'on devrait arriver à trouver quelque chose par là-bas. Pour compléter un peu tout ça. Il fallait pas retourner sur l'île. Tiens, ben voilà l'île trèfle. C'est exactement ce que je vous disais, mais par contre, avec les orbes, il faut pas retourner sur l'île champignon ou c'est moi. Je me relaxe trop, je suis trop fatigué, mais c'est bien, relaxe-toi. Sans ambiguïté, c'est l'île pique. Eh ben oui, mais voilà, mais c'était celle qu'on cherchait en fait. Normalement, on devrait arriver à trouver quelque chose là-dessus. Enfin, j'espère. Allez hop, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a là-dessous là? On va aller en D3, c'est ça. Pardon. Non, il est là. Et oui, mon Mélio. Allez hop. Alors, on va déjà commencer par faire un truc comme ça, je pense. Eh bien, mais combien il t'en faut? Punaise! On doit pouvoir faire comme ça, par contre. Hop, hop, allez! Voilà. Yep! Il y a un truc. Il doit y avoir un truc de l'autre côté. Ah! J'ai toujours eu du mal de profil à l'égyptienne comme ça. Est-ce que. Non? D'accord, si tu le dis. Je pensais qu'il y avait quelque chose, je me suis fait spoil. Salut. Ah zut! Zut, j'ai pas réussi à lui taper dessus en fait. Comme le port salut. Alors, comment ça marche? Deux déplacements simplement, t'es sérieux là? Ah là je vois pas. Hein. Vraiment, alors on va prendre les Todd avec nous parce que du coup je vois pas. Ça va ma Sonia? A tout de suite. Quoi? Pourquoi t'as pas déplacé le truc? Ah mais parce que mais c'est moi, je suis complètement bête en fait. Mais oui, mais oui, l'école est finie. Je sais pas pourquoi. Non, des fois tu me poses pas la question des fois. Allez, on va prendre celle-ci, mais les chatoyantes auraient suffi, je pense. Ouais. C'est un peu dommage, bon. Ah non, tu vois, on l'avait pas lui le gloop là. Du coup, tiens, regarde, on va prendre un marteau. Ça ou ça, ça peut-être. Allez, on fait ça, les amis. Voilà, il nous en restera deux, c'est pas très très grave. Allez, on va prendre les bottes brillantes, ça suffit. Et ça c'est bon. Alors, fais voir. À l'aide, mes amis sont sur l'île, trouvez-les, ils sauront quoi faire pour me laisser pas m'insérer là-dedans. Alors du coup. Non. On va examiner ça quand même.
Ouais, on est bien, je pense qu'on a besoin. Ok, ça c'est pas un problème. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, oui. Alors, là on a un Todd. Oh là, un Todd en détresse. Le clan des Todd unis arrive à la rescousse. Donc là c'est bon. On en a un autre quelque part. Hein. Est-ce que c'est là? Pas du tout. Ça me semble suspect ce truc là. Moi je veux bien mais je veux pas tous les dégonder en fait. Alors ça on va le prendre. Lui, est-ce qu'il va nous donner un Todd? Pas du tout. Là il y en a un plié, regardez. Je l'avais pas vu. Donc on en a un deuxième, il nous en manque plus qu'un. Par contre, où est-ce qu'il est? Ça... J'ai peur qu'en tapant dans les tonneaux là-bas, ça nous fasse faire que des bêtises en fait. Ah bah il est là, regardez, parfait. Ok. Remain Sonia. C'est le jeu du pirate. Il nous manque le jaune. Il nous manque force jaune les gars. Mais tu vois, il y a un truc à faire avec ça là. Parce que là, si je casse et qu'il faut faire un truc là-bas, on est pas... Allô, allô, il y a personne au bout du fil. Faut réfléchir maintenant. Faut réfléchir. Un groupie d'Aloa sur Pokémon. Mais oui, mais je comprends pas. Voilà. Ok, c'était ça. J'ai bien fait. J'ai bien fait de pas casser la truc. Ah oui, je veux bien. Ouais, je veux bien, je veux bien. On retournera un petit peu faire du Pokémon. T'inquiète pas, mon Melio, mais... Allez, on va pousser. Pousser, monsieur. C'est tellement génial. C'est tellement rigolo, ce truc-là. On retournera, va, t'en fais pas. Au hasard des DLC, on y retournera. Il y a un bloc invisible, ouais. Voilà, allez. Allez, merci de nous avoir sauvés, mais de rien. Je peux pas t'offrir grand chose, je te remercie, sauf peut-être l'emplacement d'un trésor englouti. Ouais, s'il te plaît. Mais du coup, je me souviens plus sur quelle île il fallait aller en fait pour remettre les orbes. C'était sur l'île au crâne, peut-être. On va faire demi-tour, on va regarder. Je vous avouerai que je me souviens plus. Mon gilet, on m'a pris mon gilet. D'accord, allez, on s'en va. Allez, on reprend la mer. Ouais, quelle heure il est? Allez, on va pas tarder à s'arrêter là par contre, les amis. C'est un véritable plaisir de jouer avec vous. Alors, fais voir la carte. Un tout petit peu plus par là, en fait. Encore un peu. Encore un peu. Tu crois que c'est par là? On va faire plonger, puis on verra bien. Non. Encore un petit peu, peut-être avancer. Alors ici. Dans l'autre sens, pourquoi? Bizarre. Bizarre, bizarre, le lézard. Non. Plus par là? Plus par là, alors. Regardez la baleine, si c'est sympa. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Allez, fais voir. On va essayer de faire plonger là. Yes, c'est ici. Ah. Je me souviens plus. Ah oui, déplié. Voilà. Allez, c'est bon. C'est fait, les gars. Petit trésor. J'adore les fleurs. Je mangerais bien des sushis. Mais vraiment, les gars. Je vais aller nous acheter des sushis pour ce soir. Je
je vais aller nous acheter des sushis pour ce soir parce que j'ai envie d'aller manger des sushis en fait. Pas les sushis les plus incroyables de la création, mais quand même. Je pense que je vais aller m'acheter des sushis. Ça fait une éternité d'ailleurs que j'en ai pas mangé. D'habitude je les fais, j'aime bien les faire. D'après vous, c'est quoi alors? On va sur l'île de... Il me semble... Ouais. Je me souviens plus du tout où est-ce qu'il faut qu'on aille. Tiens, on va peut-être demander à... Non, retourner en ville, non, mais c'est pas ça. Plonger, piloter, carte marine. On va retourner sur l'île au crâne, je pense. Il me semble que c'est ça, j'en suis plus tout à fait sûr, les amis. On va redescendre un petit peu plus par là, d'ailleurs. Et donc, du coup, pour les futurs... pour la rentrée, on va reprendre... Bon, là, je vais reprendre le travail, mais après, à la rentrée, à partir de septembre, là, on va avoir peut-être de nouveaux rendez-vous. On va faire un petit peu des... Tu manges des nems ce soir, c'est vrai? Je fais ça... alors, je fais pas de nems, mais je ferai des rouleaux de printemps samedi soir. J'ai mon frère et ma belle-sœur qui viennent manger. Et en fait, pour tout vous dire, ils sont... ma belle-sœur est végétarienne. Et du coup, c'est la première fois que je l'en rencontre, donc on va mettre les petits plats dans les grands. Je vais lui faire un curry de légumes et puis je vais lui faire des rouleaux de printemps aux crevettes parce que ça la gêne pas, elle mange les crevettes. Va comprendre Charles avec le PMU, mais du coup, ouais, je suis plutôt content. Ok, elle doit être par ici. Je suis quand même plutôt content dans le ouais, petit moment d'intimité. Allez, hop, on tourne. Est-ce que c'est ici? Je me souviens plus. On va regarder. Ah, l'île au crâne, on a un truc à acheter, ouais, effectivement. Effectivement, là. Mais je me souviens plus où est-ce qu'il faut aller, par contre, du coup, avec nos trois orbes, là. Allez, fais voir. Bon. Ça, déjà, on va le prendre. Bim. Allez. Ah, on n'a pas assez. C'était quoi ça? Un podomètre de pièces, d'accord. D'accord, marcher 1000 pas avec ce truc et on aura une récompense. Ok. Alors, ben ouais, bientôt on n'a pas assez de pièces, zut. Un steak saignant avec des frites, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Bah ouais, moi je suis. Non, j'aime beaucoup la viande, mais du coup, alors attends. Fais voir un peu. Ah, il doit nous manquer des îles, donc il faut qu'on reparte à l'aventure, les gars. 10 000, ouais. Prêt à prendre le large, oui. Alors. Bah écoute, on va essayer. Je sais pas. Pardon, autant pour moi. Là il y a du poulpito, là il y a du truc, je suis... On était au niveau du pic, alors peut-être... On va se faire toute la rangée 5, et après on montera en A, on regrimpera sur le A en fait. On va essayer d'aller tout droit comme ça là. Tu manges du poulet rôti toi ce soir? Punaise, En fait je mange beaucoup de poulet en ce moment, pour vous dire, parce que ben, comme je suis au régime... du coup, je me suis mis à la diète en fait, tout simplement. Et du coup, beaucoup de légumes et beaucoup de poulet grillé en fait, juste grillé. Et ça fait pas du mal, hein, ça fait vraiment pas du mal. On passe devant l'île cœur. Alors, est-ce qu'on a quelque chose par là? Pas sûr. Ah, le poulet c'est la vie, ouais. Le pollo c'est la vie, les amis. C'est vrai. J'aime bien le pollo. Mais j'avoue que... Ah, regardez, on a quelque chose là. On a une île. Ouais. Alors... Un marteau sur l'eau, voilà qui est amusant. Nous sommes sur l'île marteau, d'accord. C'est l'île de Thor, les amis. Ragnarok. Ragnarok.
Elles sont toutes un peu regroupées, il faudrait qu'on descende aussi peut-être un peu. On fera toute la lignée 7 par exemple, toute la 6, et puis on fera comme ça je pense la prochaine fois. Ça nous évitera de nous perdre en fait. Et de voir si on trouve toutes les îles. Allez. Ah, un petit coffre, regardez, un petit coffriné. Elle était maquillée comme une star de ciné et accoudée au jukebox. La la la. Waouh, un marteau légendaire les gars. Mais oui, mais sur et oui, sur l'île de Thor, bien sûr. Oui, mais toujours plus. Bon ben on peut pas passer par là hein. Là tu peux pas le chat. Fais voir ce qui nous dit Jean-José, examinez. Allons tous au paradis. OK. On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Tam 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 tam. On ira tous au paradis. Mais non, mais c'est pas ça, Loïc. Mais espèce de nouille incommensurable. Purée. Des fois, tu sais que hein, quand tu réfléchis pas comme ça, c'est tellement fatigant. Comment va-t-on faire? Mais on n'a plus le choix maintenant, Jean-José. Ouais. Eh ben, écoute, on va faire ça. Hein, tant pis. Tu vois, je l'avais pas. Et tu vois, je chantais. Il fallait pas. Pour oublier mes peines, pour bercer un enfant, pour pouvoir dire je t'aime, eh ben il fallait pas. Pour implorer le ciel ensemble, en une seule et même église, retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent. En haut des barricades, les pieds et poings liés. Qu'est-ce qu'on va utiliser là les amis? Les bottes chatoyantes? Ouais on peut hein, en avant. On peut. Ouais, ça fait pas le taf quand même hein, les gars. Ça fait pas le taf. Maintenant il drache, c'est vrai? Ah zut. Pardon, je me suis pas modifié. Du coup, que va-t-on faire? Et maintenant, que va-t-on faire de tout ce temps? Que sera la vie? Est-ce qu'on prendrait pas des bottes chatoyantes mais en fer? Exactement. Allez, fais voir, on va prendre ça. Normalement, je pense que quand même, sur un malentendu, on devrait pouvoir se les taper avec des bottes brillantes, mais pas sûr. Allez, on y va. Mais pour de bon, il pleut chez vous? Punaise, mais quel bonheur ce serait. Un petit peu de pluie. Ok. Bon. Ok. Je ne sais pas. Je ne peux pas, je ne sais pas, mais je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Bah écoute, on va passer par de l'autre côté, et puis on va se battre contre les autres. À Paris, il fait froid. Eh ouais, mais c'est pour ça qu'on n'y habite pas en fait. C'est parce que on veut pas n'y habiter. Est-ce qu'on peut grimper par là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Pas du tout. Allez. Ah, j'ai mon frère qui habite à Paris, un de mes grands frères qui habite à Paris, et c'est ouais, c'est une drôle de vie quand même, hein, mine de rien, mine de crayon. Du coup, on en est où, là? Deux déplacements. J'y arrive pas, hein. Je l'ai pas, hein. Vraiment, je l'ai pas, là. Il y a des fois, tu sais pas pourquoi ton cerveau, il bloque, et sérieux, te... Ça te procure que de la... Et oui, mais parce que je veux pas mélanger, en fait. C'est exactement ça, c'était parce que je pensais pas mélanger. Mais tu peux mélanger, c'est vrai. Regarde, Orangina, il faut bien mélanger, sinon la pulpe, elle reste en bas, les gars. Voilà, on va prendre celle-ci, puisqu'il y a du qui pique, donc on est un peu obligé. Mais... Ouais, il a une drôle de vie, mon frère qui vit à Paris, vraiment, c'est... Enfin, il habite en banlieue, mais... Il travaille en banlieue, mais quand même, c'est une drôle de...
une drôle de vie. Mais bon. C'est vrai, d'accord. Et toi à 30 minutes. Et moi je suis à 7h, 7 ou 8h, un truc dans ce goût-là, je crois, hein, je pense. Oh, purée, j'ai mal de partout. Ouais, un truc dans ce goût-là en fait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à ça là et là? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose pas trop de caché? Mais bien sûr, regarde. Alors, y a rien là? Les ténèbres sont de retour. Ah, mon Dark, salut. Salut mon Dark. Mince, j'étais pas encore mis en vie, puis il faut que je le fasse. J'ai oublié. Salut mon Dark. Ah, ça fait plaisir de te voir. Allez hop. Allez, on finit là, les amis. Pauvre fou, exactement. Exactement. Back Sword Master est dans la place, les amis. Allez. Oh. Ouais, ben on a vu, hein, on va frapper Dédé, t'inquiète. Attends, voilà. Un petit champix. Ah non, c'est tiré, pardon. Tirez dessus, mon bon monsieur, tirez dessus. Voilà. Eh ben, on va y aller, de toute façon, juste là, on va y aller. Encore, encore. Ah! Mais mets-toi droit, bon sang. Mais ouais, je sais, mets-toi de profil alors. Mais si tu te mettais de profil, ça irait mieux, mon Mario. Enfin, allez, sans nous, du sang, du sang, du sang. Voilà. Du sang bon. Moi aussi, ça me fait plaisir maintenant que j'ai compris comment on utilisait Twitch. Mais sérieux, j'ai mis du temps moi aussi, hein, t'inquiète pas, chouchou. Mais moi, c'est normal, j'ai 40 balais. Donc, donc c'est un peu normal. Mais sérieux, ouais, non. C'est pas la même chose, je suis d'accord avec toi. Il y a un temps de mise en route et un temps de. Ce qui était embêtant, pour être franc et honnête avec toi, c'est moi ce qui m'avait embêté au prime abord. C'était de s'inscrire dessus, tu vois. Je trouvais ça pas pratique et puis je voulais pas m'inscrire dessus et puis voilà tout. mais finalement non, ça s'est bien fait. On va aller direction là-bas où tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que moi j'aimerais bien lui là. Mais non mais quoi mais. Voilà. Allez saute. Vas-y saute Jean-José. Voilà. Je sais pas. Voilà. Ah ouais mais je vais un peu vite, regarde en besogne. Voilà. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous des piécettes. Mon bon petit espadon. Toi qui n'as pas d'aile. Ah tu peux pas voler. Allez on le laisse tranquille quand même. On s'est fait détourner de notre. C'est ce qui est gênant, c'est de pas pouvoir tourner la caméra. Et salut Kéliane, comment vas-tu? Merci pour ton follow en fait. Allez, on y est les gars, on a trouvé, il doit y avoir un trésor par contre, hein. Mon bouchon, il doit y avoir un trésor, est-ce qu'on, on est tout à côté d'ailleurs du trésor, attends, on va essayer de le prendre quand même, fais-moi un petit peu, bienvenue à toi, installe-toi confortablement, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien surtout, et merci beaucoup. Alors, fais voir, est-ce qu'on a trouvé quelque chose, à part du poisson? Du poisson, ah voilà. Déplier le bras, on est comme ça. Hop, mais non, dans l'autre sens, voilà. Voilà. On est bien, et on tire. Je suis désolé, t'arrives en fin de live par contre. On va bientôt s'arrêter malheureusement. Pareil pour toi. Alors, tu sais, famille recomposée. Alors, j'ai un frère jumeau, donc ça c'est mon frère. Après j'ai deux demi-frères du côté de mon géniteur, tu me suis? Et après mon père, enfin l'homme qui nous a élevés en fait, lui il avait un fils d'un an de plus que nous. Donc en fait on est une belle famille et une belle fratrie. Et je trouve ça très rigolo. Et du coup moi je fais pas de différence, pour moi ce sont tous mes frères. Et si tu veux, j'ai la chance d'avoir le tout petit, enfin la chance, oui, c'est une chance, lui moins, mais j'ai un petit studio juste en dessous de chez moi, et donc je lui loue pour qu'il ait un endroit où rester en fait. Alors, il n'y a pas de problème, je vais devoir aller faire le repas comme moi, pareil, tout pareil.
Mais j'ai vu que tu jouais aussi à Xenoblade. Oui, Chronicle 2 et par la suite on se fera Xenoblade Chronicle 1. J'espère tomber sur le live à l'occasion. Eh bien écoute, tu regardes dans la programmation de la chaîne. Alors là je ne l'ai pas mise à jour parce que je suis en vacances et il y a grosso modo à quoi on va jouer. Donc demain c'est quoi? C'est samedi les gars? Donc demain il y aura du Xenoblade Chronicle et je pense qu'on le fera demain live de 8h30 jusqu'à midi. Et donc là-dedans il y aura du Xenoblade Chronicle. Je le remplacerai. Il y aura du Mario Paper et du Xenoblade Chronicle. Je pense qu'on commencera par du Xenoblade Chronicle à partir de 8h30 et qu'on passera sur du Mario Paper Origami King normalement à peu près vers les 10h, le temps que je fasse la pause café. Et quand la semaine prochaine je reprends les lives, tous les dimanches je mets à jour ce que vous allez avoir comme live dans la semaine, donc comme ça vous avez les horaires et vous avez tout ce qu'il vous faut. En septembre on va reprendre des horaires un peu plus réguliers et communs à ce que je fais d'habitude, c'est à dire normalement du 6h tous les jours et du 18h tous les jours et après le samedi matin toute la journée. Voilà, comme ça c'est correct. Je resterai à l'affût, mais il n'y a pas de souci, avec le plus grand plaisir en tout cas. Et merci encore, merci à toi. Alors, une tour qui se dresse au large, ma foi, la tour du large. Ben ouais, carrément. Ok, on a trouvé la tour du large, les gars. Et bien voilà, mais on va se décharger. Alors, dit comme ça va être mal interprété. On va décharger notre cargaison ici, bien sûr. Le serpentin violet est enroulé tout autour. Ça va pas nous faciliter les choses. Allez, je pense qu'on va grimper là-dessus. Il devrait y avoir quelque chose pour sauvegarder. Et si jamais, on s'arrêtera là pour le moment, les amis. À quand le retour de Pokémon et des fights? On pourra glisser ça. Dans la semaine prochaine, on en fera un. Je pense. Quand je recommencerai à travailler, on se fera un soir. Des fights si vous êtes d'accord, si ça vous va. Ok. Allez, on a les 3 orbes. On a ce qu'il nous faut, les gars. Mais bonne fin de journée à toi, merci, une très très bonne soirée, un bon appétit et on se retrouve dès demain. Ah ciao, merci, bye bye. Et nous aussi on va se quitter là les amis, de toute façon on va tous partir en même temps. Alors, c'est même plus un gratte-ciel là, c'est un perciel, une tour qui monte et guili. Désolé, pardon. Et malheureusement le serpentin violet lui monte aussi tout en haut. Alors j'ai hâte d'y grimper, imagine tous ces étages qu'on va pouvoir explorer. Exactement. Bon, c'est peut-être un peu moins enthousiasmant quand il faut le faire à pied, mais ce sera quand même rigolo. Je me souviens plus, KO, à combien, tu te souviens combien il, c'était les... c'était 1400 je crois, hein, les pièces, hein, pour le compteur de pièces, le compteur de pas, il me semble. Ah, on a un raccourci qui rallonge les gars, nickel. Allez, fais voir. On va décoller ça. Et je pense qu'on va prendre le tuyau. On va se téléporter là, ouais. On reprendra ça la prochaine fois. On va sauvegarder 1400. Hein, c'est ça, ce saut. Merci. Allez, fais voir. On va sortir de là. On est bien. On a bien avancé, finalement, pour l'instant. Quand même. Mine de rien, mine de crayon. Merci. Et oui. On va sauvegarder et puis on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas, je suppose que notre ami KO est en live à partir de 20h, non? N'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi, à copain KO. Fais voir un petit peu. On va regarder ce qu'ils ont là. Et merci mon Melio, vraiment merci à toi. J'avais soif justement. J'avais soif de connaissances. Hmm. 13 500, qu'est-ce qu'il a de beau là? Je regarde juste, hein. J'achète rien parce que j'aimerais bien prendre le compteur qu'on avait vu là-bas. On va tout simplement sauvegarder et puis on s'arrêtera ça ici. Ouais, c'est pour ça. Dans la tour, d'accord, ok. Mais bah, il faut qu'on se retrouve, qu'on reprenne un petit peu des pièces. On va sauvegarder là la prochaine fois, si je m'en souviens. On essayera d'aller se battre comme Krusty Bat avec quelques
quelques oreilles guerriers, pardon. Et puis comme ça, au moins, la boucle sera bouclée pile au bon moment. Exactement. Allez, je vous embrasse très très fort, les amis. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. On va se faire un petit raid chez un copain s'il y en a un qui est en live, mais je suppose que oui. On se retrouve très très vite, c'est-à-dire demain à partir de 8h30 pour de nouvelles aventures. Demain, on se fera donc du Xenoblade Chronicle 2 à partir de 8h30 et on basculera sur cet opus-là, ou alors on fera autre chose. Vous choisirez. Je vous embrasse très très fort. Vous souhaite de passer une très très bonne soirée, un très bon appétit et à très bientôt les amis. Merci, bye bye, ciao ciao. Merci à tous en tout cas. Ok, ben merci pour ce live. Ça m'a un petit peu décontenancé tout à l'heure quand ils nous ont fait un bonbon raid à plusieurs et du coup j'ai toujours du mal vraiment, mais je vous souhaite un bon appétit. Je vais regarder qui est-ce qui est en live pour pouvoir faire un raid, fais voir un peu. Alors qu'est-ce qu'on a? Et on a le Spatiocorn, il est sur quoi? Remnant from Ashes, tiens je connais pas ça. Il y a Arashiki. Alors je le connais pas très très bien, on est allé faire une ou deux fois un raid chez lui, il est sur du Ni no Kuni. Je vais vous envoyer peut-être plus sur le Spatiocorn, comme ça, c'est un copain aussi, il a le verbe haut, parle un peu fort, mais c'est un type fantastique, je vous embrasse très très fort, vous souhaite de passer une bonne soirée, on lance le raid et on se retrouve demain 8h30, allez, à ciao les amis, merci, bye bye, ciao.